Je fais des bruits comme ça. C'est le genre de bruit qui m'excite de bon matin. Qui me rend chaud. J'ai pas pris mon téléphone. Ah si. J'ai cru que j'avais fait une grande classique, les gars. La spéciale classique de Je ne prends pas mon téléphone. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit son matinal, les frérots, si vous voyez ce que je veux dire? Samedi, sur mon compte Anon, j'ai reçu un email, je comprends pas, c'est un paiement PayPal, redis-moi STP. Salut, my brother. Ben oui, c'est moi, ne t'inquiète pas, de toute façon, ça pouvait être que moi. Parce que. Sinon, ça t'aurait débité toi, et puis personne va te payer du cosmétique sur ton compte, donc. Voilà, mais tu fais bien de demander, hein, oui, c'est moi, mon ref. J'ai acheté quoi hier? Ah oui, le pass de combat. Oh yeah. Message du week-end, les refs, en attendant que vous arrivez vous aussi. Attendez, je me mets sur le stream. Et les frérots, quand vous arrivez sur le live, pensez toujours bien à liker le stream. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Lundi matin, les gars, le retour, les gars de la semaine. Donc soyez chaud, soyez on fire. Je vous aime la famille, je suis content de vous retrouver là. Salut mon Aurélien, salut mon Colin, salut Alex, salut Laurent. Comment allez-vous la famille? Oh Allez, je lance le jeu yeah. directement les gars. On, baby, baby. Un max de like. Je mets mon café, machin. Les vrais sont là de bon matin. Ça va mon Colin d'Alaska? Ah là là, vous avez fait quoi de bon ce week-end les frères? Vous êtes détendus, vous êtes reposés, vous avez travaillé, vous avez Oh fait quoi? yeah. Qu'avez-vous fait? Je suis... Allez, Oh yeah. enculer la crémière. Bonjour à toutes et bienvenue sur le live de Scuda Live. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner pour lui donner de la force pour Oh lui. Merci beaucoup, yeah. Manto. Comment ça va, mon ref? Eh les gars, les gars. Les trucs comme ça, là, comme tu fais, Anto, c'est très très bien vu, mon ref. C'est très très bien vu. Merci beaucoup, Anto. Hop. Comme vous faites, les gars. Vous faites tous des trucs un peu là. Là, là, les gens qu'il y a là, là, c'est Oh que des gens investis dans la page, là. yeah. Merci beaucoup, les refs. Tu le vois, là, les gens qui arrivent en premier, là. Allez, vas-y, on va lancer directement une partie. On va directement aller se toucher un petit peu. Vous savez, le matin, les amis, faut pas hésiter, faut pas être. J'ai envie de dire fermé, j'ai envie de dire. Faut être ouvert, tu vois. Et l'ouverture d'esprit, ça commence aussi par l'acceptation de la bonne sodomie du matin, tu vois. Donc quand tu te réveilles le matin, Oh que tu allumes le jeu, c'est pour aller sodomiser les ennemis, tu vois. C'est logique. Attendez, j'enlève un petit peu les décorations, par exemple. J'enlève ça, j'enlève ça. Ouais, j'en rajoute. Oh yeah. On a rien vu de chat. Ouvert, oui, comme le huc de la crémière. Oh, mais c'est parfait ça, Colin. Oh yeah. Bonjour, salut Reynald, comment ça va? Tu vas bien, Reynald? Salut mon fils, salut papa, comment tu vas?
La pêche? Salut mon alien aussi. Y'a qui que j'ai pas dit bonjour? Aurélien, je dis bonjour le frérot, comment vous allez tout ça? Dites-moi tout ça. Comment il va le Scudab? Et ça va et toi Alex? Salut Taïja, salut El Oh Parigo. yeah. Voilà. Je me chauffe les doigts, hein, les refs tranquillement. Hop. Hello, notre Scuda national. Salut Franck. Comment ça va, gros? La pêche ou quoi, mon ref? Oh yeah. Salut Ekpoul aussi. Bonjour. La pêche? Là, il faut aller go l'équipe. Ça va, ah. Bon, bah cool. Bah, bonne matinée à toi, papa. Bonne matinée d'ailleurs à toutes et à tous, l'équipe. Salut Flo. Allez, l'équipe. Ça va, reviens du kiné avec une belle coudière over the top. Oh, let's go, baby. Do you have a beautiful coudière, bro? Oh, coudière? Ah, c'était presque crémière, un hein, coup d'hier. Hein. La seule différence, c'est que dans la crémière, eh ben, tu mets pas ton coude. Allez. Je suis désolé, les gars, pour ça. Allez, mais mets-la à la plaque, les chiens. Ok, les bébés. On va prendre l'escalier sur le côté.
fail. Je suis en mode chien. Je les dois faire un peu de valeur. En plus, j'étais pour les prendre de Mathias. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai couru avec ma grosse truc et ça m'aide pas à réussir les. Les sauts. Sabateuse, vous m'avez compris. Ok, chill alors. Vous allez kiffer la killcam. Il me l'a raté toutes ses balles. Et à la fin, il m'a touché. Vous allez voir ce que j'ai pris. Regardez bien. Il rate tout. Et là, à la fin, hop là, 3 balles dans la tête. Et ça, vous savez ce que c'est? L'aide à la visée. C'est que les gens dans ce jeu, ils ont pas de shoot. Mais dès que l'aide à la visée, il a le temps de faire son taf. Tu vois, moi ça se voit que c'est pas l'aide à la visée qui me rend plus fort, parce que quand je tire, tu vois bien que toutes mes balles elles touchent. Tu vois bien que c'est les années d'entraînement plus que de, au dernier moment une sorte d'aide mystique qui m'aide. Je l'ai pas dit dans mon message où je me plaignais des problèmes du jeu l'autre jour. Mais l'aide à la visée est trop forte dans le jeu, bien sûr. Faut qu'il la baisse, je suis joueur manette et je le dis. Quand t'es joueur manette et que tu dis faut baisser l'aide à la visée, c'est que y'a un problème. Les yeux, tu sais, qui fléchissent, c'est normal, c'est la première game. On a détecté une vulnérabilité dans le réseau ennemi. Localisez leur station de liaison et récupérez leurs renseignements avant qu'ils ne les sécurisent. Mais team up ou il y a deux ennemis qui viennent de passer côte à côte? Oui, je l'ai vu de mes yeux, il y a deux ennemis qui viennent de passer côte à côte là-bas. Ah non, ça va, il se joue. Ça va, il se joue. Je suis pas du tout bien placé. S'il a une batteuse, il me dégomme. Allez, Lolo le Belge, va faire des frites. Chut. Oh yeah. Je suis un bâtard. Je vous aime les Belges, hein, qui est sur le live. Hein. C'est de l'ironie. Mais de la manière où il râlait, il avait quand même une vocale à faire des frites. N'hésite pas, moi j'aime bien en plus.
quoi. Tu veux quoi? Arrêtez de toujours me regarder, je sais que je suis sexy, mais quand même. Wesh! Ah, c'est trop là. C'est les mecs en l'air qui me regardent, c'est pas possible. Putain, d'accord, c'est lui qui me regarde. Eh, je sais que je t'excite, même ref. Je sais que je suis beau gosse. Mais quand même. Ah ouais, ça para hein. Ça, c'est comme ça hein frérot, ça para hein. On met le mec à un HP et après on le para hein. Putain, c'est des campeurs les mecs comme ça, mais attends, je vais le tuer. Oh, le streamer, le TikToker, il s'est fait tuer par le random là. Tiens, s'il te plaît. Tu peux dégager? Merci. À faire tes TikTok ailleurs. Il n'y a pas de souci hein. Bonne journée. De ces lasers, je me suis dit je vais me mettre derrière le mur tranquille, ça s'est pas arrêté de me tirer dessus quoi. Ah, je suis mort dans le bac. Je pense que c'était un cheater là, le level, le bas level, level 32 les gars. Du coup on n'arrivera pas sur sa vue parce que sur la vue de l'autre au loin qui m'a tué. Rip. Allez les refs. Ça c'était la game de chauffe. Je me roule ma clope hein les gars. Tout 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 tout. Alors les gens qui ont une rétention moyenne de 5 secondes, désolé pour vous. Oh yeah. Parce qu'il y en a, s'il se passe pas un truc, un truc mais vraiment palpitant dans les 5 secondes, ils ont la maladie de scroller, tu vois. C'est nos magnifiques réseaux qui ramènent ça, tu vois. TikTok et tout.
TikTok qui est en train de flinguer le cerveau Oh yeah. de tous les humains sur Terre. Personne ne dit rien. Mais on préfère scroller sur TikTok que regarder des lives. Hein. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus palpitant. C'est vrai ou pas, les gars, ce que je dis? Il y a une addiction sur TikTok qui est assez incroyable hein, quand même. Hein. Et du coup, si... Je dis ça pour rigoler, mais ce que je dis en gros, c'est que désolé, je roule ma clope, c'est pas très intéressant à regarder. Les gens qui sont matrixés par TikTok, le truc, c'est que eux, c'est à cause de TikTok que eux, s'il se passe rien pendant 10 secondes, ils sont obligés de skip, tu vois. C'est une maladie maintenant, tu vois. C'est maladif. C'est ça que je voulais faire remonter un petit peu. Sur TikTok, t'as pas le temps de rouler une cigarette, hein. Là, tu perds tous tes viewers, mon gars. Façon de parler, hein. Ça dure moins d'une minute. C'est ça. Enfin, en vrai, en réalité, ça dure 3 minutes, Franck. Mais ça, je suis d'accord pour dire que les trois quarts des TikTok durent moins d'une minute. Mais les TikTok, ça peut aller jusqu'à 3 minutes, ouais. Arrêtez vos blagues de début de game comme ça, je vous passerai volontiers vos blagues de début de game. Je fais quoi de cette game de merde? Je la quitte ou c'est comment? Tu rates raccourci en early. Les sons sont bons, hein, encore une fois. Parce que là, du coup, on l'entend pas nous arriver dessus. Bon, alors, on a failli le tuer, mais c'est trop tard. Le pompe, juste le son, ça donne ça. Et à niquer vos mères aussi, ceux qui disent que je trouve des excuses. Avec la tempus ou par coup. Mais il y a l'autre campeur, hein. L'autre, vous savez, qui m'énerve depuis tout à l'heure, il campe. Il est dans la. Il est en bas, il campe. Pourquoi tu mets un C4 à l'entrée? Mais putain, mais viens me pêcher! Moi qui te pêche, j'ai pas le choix. Hein. Parce que si je fais rien, y a rien qui se passe alors. Et en plus, il cheat et il arrive même pas à me tuer. Là, vous dites, hein, il cheat? Qu'est-ce que tu dis, Scuda? Eh ben oui,
Il a accès des... Je devrais même pas vous le dire ça, mais bon. Je sais que je connais un site que je vais pas vous dire, où sur le Discord, il y a des wallacks qui sont gratuites. Et quand tu mets la wallack gratuite, ça te met automatiquement en nom de clan ESP. Après, tu peux l'enlever ou le laisser, tu fais comme tu veux. Mais lui, en nom de clan, bah du coup, il y a marqué ESP. Du coup... Soit il l'a fait esprit pour troller. Oh, bien joué, mec. Wow. Soit il l'a fait esprit pour troller. Soit... J'ai l'atout pour pas que les explosifs me one shot. Ouh, c'est bien ce jeu. Putain, mais je suis contre des bons joueurs. Oh, la bêtise s'est pas pris. Voilà. Il m'a pas suivi, il m'a pas push. Il a mis sans doute le pire endroit pour moi d'aller le chercher. Il a pas fait esprit ça, mais. Il a une MP5, elle est aussi lente que mon AR dans les mains. Ennemi dans la zone des opérations. Thank you.
Ok bébé. Piqué. Chill. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Hop. En vrai, le snipe il peut être féroce. Jamais sous-estimer le sniper dans ce jeu. Gogo, défoncer la crémière feu concombre. Derrière le truc orange là-bas. Oui, il m'a surpris lui.
J'ai pas de kill, les gars, parce qu'ils mettent des games sales, les gars. Ils sont horribles, les mecs, contre moi. Y'a que des mecs qui font soit de la ligue sur Call of, soit c'est des mecs qui stagnent comme ça. C'est horrible, ces games. Dur, hein. Allez, un max de like, un max de Didi, les frérots. J'ai pas beaucoup de kills, par contre. 11 kills. Mais les gars, là, ils sont horribles. Soit j'ai les skins, vous savez, qui sont bons, là, et puis je le vois, qui sont bons. Oh, Soit, yeah. Oh là là, ESP, le mec qui a la Wallhack. Les gars, en fait, actuellement, je vous explique un truc. Sur le Discord, il y a des Wallhacks gratuites qui se vendent. Des Wallhacks, vous savez ce que c'est pour voir à travers les murs. Du coup, dans vos lobbies, vous allez voir plein de gens avec Oh, marqué ESP yeah. devant le nom. C'est des gens, pas tous, parce qu'il y en a qui le font exprès pour se rendre intéressant, pour le coup. Parce que là, je vois pas d'autres, à part se rendre intéressant. Mais ceux qui l'ont pas rajouté, c'est vraiment des gens qui voient à travers les murs. Donc faites attention. Quand vous voyez un gars qui est dans le top 5 qui avait marqué ESP, vous savez, entre nous, vous savez. Hop. Merci. Oh là là, merci pour tous les likes, pour tous les GG, les gars. Vous êtes en or. Merci beaucoup. Come on, baby, bébé. Tout, 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 tout. Oh là 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 là, mais attends. Il y a eu des étoiles, Oh messieurs, dames. yeah. Des soutiens, je veux dire. C'est Madonaïma. 5 subs. 5 subs de Madonaïma, c'est ça? Oh Oh yeah. là 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 là, merci beaucoup, Madonaïma. Et come on, baby, bébé! Tu régales! Tu régales, Madonaïma, merci beaucoup. En plus, c'est les derniers. Ça, les gars, parce que allez, je vous le dis maintenant, allez, j'ai un truc à vous dire. Les frères, genre le mois pro. Je le dis maintenant, Oh je le dis maintenant, enfin ma chérie. yeah. Je peux, c'est la semaine prochaine. Les gars, écoutez, c'est le dernier sub offert que j'ai reçu là, que m'a envoyé Aurore. Puisque Oh vous avez bien yeah. remarqué que au niveau des vues, c'est plus que c'était. Et je suis pas le seul à le penser que Facebook est en grosse perdition au niveau des vues actuellement. Pour plusieurs raisons, parce que Warzone 2 ne plaît plus autant qu'il a pu plaire. Par conséquent, j'ai fait un choix. Mon choix, c'est de continuer l'aventure. Hein, ne vous inquiétez pas là-dessus, je vous le dis tout de suite. Mon choix, c'est de continuer l'aventure. Donc ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça fait pas partie de mes choix de continuer ou d'arrêter l'aventure. L'aventure se continue quoi qu'il en soit. Donc ça, qu'on soit bien d'accord. Mais il était quand même question de prendre des décisions, il était quand même question de prendre une vraie décision. Et donc, comme Facebook ne m'apporte plus ce qu'ils m'ont apporté à un moment, comme Facebook ne me met plus en avant comme ils ont pu le You, faire comment à un va? moment, et puis comme Facebook s'occupe moins bien de leur plateforme qu'avant, et que du coup il y a des bugs, ils s'en foutent, et que ils répondent même pas aux créateurs quand il Oh y a des messages, yeah. que enfin il y a rien en fait, il y a plus grand chose qui se passe. Donc du coup, je resterai sur Facebook à jamais, parce que Facebook, là je critique comme ça, mais c'est la base Facebook, c'est Facebook frérot, c'est si ça Oh n'existe pas, je suis pas là mon ref, tu vois. Donc jamais on part de Facebook. Par contre, le partenariat avec Facebook, je le romps. Je reste pas partenaire. Du coup, ça change rien pour vous, mais juste ce que ça change pour vous, Oh c'est que yeah. les lives du coup sur Facebook ils continuent, et que maintenant il y aura aussi la possibilité à partir du mois prochain de me suivre sur Twitch pour ceux qui le souhaitent. Je vous encourage pas à le faire. Enfin, je vous encourage à le faire comme je vous encourage pas à le faire, quoi. Vous êtes sur Facebook, vous êtes très bien sur Facebook. Concombre, 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 concombre. Mais ceux qui voudront aller donner un petit coup de force tout de même, mettre un petit follow à la chaîne Twitch, mettre même un petit Oh sub pour ceux qui ont yeah. encore 3 euros à claquer, parce que ça coûte 3 euros, je crois. Pourquoi pas? Mettre un petit coup de boost à la page Twitch, ouais. Ça, je veux bien. Mais après, je vous dis pas Facebook c'est fini, partez de Facebook ou quoi, non. Si Team Facebook, restez sur Facebook. C'est pas un souci, c'est juste que Facebook ne m'apporte plus ce qu'il m'a apporté à un moment donné. Et il est hors de question que je me laisse crever avec une plateforme, quoi. Et il est hors de question que une plateforme arrive à me mettre le grappin dessus avec un partenariat qui ne m'apporte rien. Parce que tu peux me donner un partenariat, me dire tu es un professionnel du streaming, tu es trop beau, tu es trop fort, et me sucer la bite comme ils le font, au final moi j'y gagne quoi? J'y gagne que dalle. J'y gagne que je joue à un jeu, frérot, qui a même pas de son et que j'y prends même pas de plaisir, frérot. Non, je rigole, en vrai, je prends du plaisir, mais regarde comment je suis mort.
Il y a un mec qui atterrit dans mon dos, je l'ai même pas entendu, mon ref. Grave. Du coup, voilà, pour vous dire que l'aventure... Il y a une longue aventure à pourvoir encore, les gars. C'est que le début de l'aventure Facebook. C'est que le début. Et on va continuer cette aventure. Et la bonne nouvelle, c'est que... Moi, honnêtement, je vous dis la vérité. Je pense que dans le long terme, je pense que sur cette année, Facebook va couler. Donc voilà, je vous dis la vérité. Hein. Si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas, tant mieux. Ça continuera. Si ça coule, bah du coup, je serai sur Twitch, quoi. Donc tant pis, quoi. Enfin, ce sera pas fini l'aventure. Mais c'est pour ça que assez tôt, je prends mes billes, je gère mes billes, je vais aller sur Twitch. Parce que si je fais rien, les gars, et que je reste sur Facebook, et que j'attends juste que ça coule, et que ça coule vraiment, bah je coule, quoi. J'ai pas envie de couler, les gars. Donc du coup, on va faire ça, les refs. Si je le fais, c'est pour moi, pour rester, mais aussi pour vous. Pour être sûr que notre page est un avenir. Hein. Donc là, voilà, vous inquiétez pas, elle est entre de bonnes mains, la page. Elle aura, quoi qu'il en soit, un avenir. Voilà. Donc je vous donne la nouvelle, hein. ça fait bizarre de vous le dire, mais d'un autre côté, c'est pas non plus une nouvelle si bouleversante, parce que c'est juste mon partenariat que je tège. Hein. Au final, je reste sur Facebook. Je pense que ça aurait été grave si, pour vous si je me n'achève, quoi. Pour moi, ça change rien, j'ai les deux. Ah oui, non, mais je me doute que pour beaucoup, ça va rien changer. Hein. C'est juste une bonne nouvelle pour vous dire, vous inquiétez pas, les gars, même si Facebook ça coule, je serai encore là. 100 étoiles de Xav, 200 étoiles de Franck, 50 étoiles de Jérémy. Les gars, au bout d'un moment, faut le dire, vous êtes des putains de boss, tu vois. Et encore merci, encore un grand merci à Donaïma. Et 100 étoiles aussi pour défoncer le cul de la crémière de la part de Jérém. Encore un gros merci, ma Donaïma, pour tes 5 subs. Qui sont les derniers subs, du coup, que vous allez pouvoir envoyer sur la page. D'ailleurs, je vous... Envoyez des étoiles, peut-être, même à partir de maintenant, d'accord? Je pense que c'est bien. 5 subs, et puis maintenant, envoyez pas plus de subs, juste les étoiles, c'est bien, les refs. On va revenir à l'ancienne. Achetez les subs pour vous, et puis voilà. Enfin, ça m'a fait extrêmement plaisir, hein, Madonnaïma. C'est pas ça que je dis, mais c'est pour la suite, parce que j'ai peur que si t'en rachètes, en gros, les mecs les valident pas, et comme le mois prochain, je tose mon partenariat, s'ils les ont pas validés d'ici là, j'ai peur qu'ils soient annulés, alors que tes 5, c'est sûr, ils auront le temps, tu vois. Mais c'est sûr, si t'en prends 20... Il y en aura au moins un ou deux qui n'auront pas eu le temps de valider. Et puis moi, je vais rompre mon partenariat. Vous êtes des boss ou quoi, les frères? Même si ça valide pas, je suis payé dessus. Mais c'est quand même dommage d'acheter un sub et qu'il n'y ait pas une personne qui soit contente d'avoir le sub. Jamais on te lâchera, mon scud. Merci, les frères. Salut, bon, bah, il reste juste à télécharger Twitch. Création de Skidabook. Bon, après, vous faites comme vous voulez, les gars. Vous ne serez pas obligés de me suivre sur Twitch. Hein. C'est juste pour vous dire qu'il y a la chaîne. Moi, je continuerai mon aventure sur Facebook et sur Twitch. Ma page Facebook, j'ai besoin de vous aussi sur Facebook. Hein. J'ai pas envie qu'il coule les lives Facebook. J'ai pas envie que vous allez tous sur Twitch. Hein. Ma communauté Twitch, je vais la créer, tu vois. Je vais la créer moi-même. Vous inquiétez pas. Après, comme je vous dis, si vous voulez donner un coup de pouce, pourquoi pas, mais... C'est nul, ce jeu, hein. Là, il m'a même pas entendu, hein. Il avait l'arme, il est venu, il m'a même pas entendu, mon ref. Le mec, on dirait que j'ai tué un gros noob, et c'est pas un gros noob. Il peut pas tuer ce qu'il entend pas, hein. C'est juste un gros noob parce qu'il a pas regardé assez autour de lui, mais... Là, je vais faire semblant de m'en aller, il va revenir.
J'aime pas trop l'arme comme ça. Elle tape fort, hein. C'est juste que j'aime pas, c'est une préférence. Tu vois, elle tape vraiment fort, hein, y a pas à dire. Hein. Je l'ai démonté le frérot là. Mais c'est juste moi, ouais, je sais pas. Non ? Je me serais fait un plaisir de te passer une correction. Il n'y a pas de plaque ? Une plaque, vous avez le droit, messieurs, dames, hein, vous savez. Personne ne va rien vous dire. Hein. Ah, il s'est suicidé dans le gaz. Ouais. Moi j'ai cru qu'il avait un masque en or, c'est pour ça qu'il faisait ça. On va rien faire, hein. Je suis full para le ref. Jouer. J'ai envie de faire la pupute, les gars. Pensez bien à liker, les gars, à donner des étoiles pour atteindre l'objectif. La famille, c'est important d'atteindre l'objectif. D'étoiles. Bon, même si Donaïma l'a complètement pulvérisé avec ses 5 subs. Merci beaucoup, ma Donaïma, encore, putain. On sait tous que normalement l'objectif il est rempli grâce à Donaïma. Donaïma, j'ai vu les étoiles, mais j'ai pas vu de... J'ai pas réussi à choper un petit message écrit. Ça va, ma Donaïma, tu vas bien? Enfin, j'ai vu les étoiles, j'ai vu le sub. J'aurais bien voulu voir. J'ai pas eu la chance de tourner la tête, j'ai pas vu. Ça va, Madonna? Dans les games, c'est utile, je trouve personne. Je
prends des starts, je cours sur tout le monde. Un ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. C'est horrible hein, les gars, ce que je fais. On est d'accord. Ça c'est quoi les parties m'énervent. Tu prends cette classe, tu t'amuses. Tu passes de énervement à amusement. T'es où? Le drone ennemi est actif. Ouais, les mecs, c'est des grosses merdes, hein. Et puis, on est en viseur fixe. Il campe même pas le loot. Il sait très bien que je vais revenir. Il est au-dessus. Ouais. Faites attention, vous pourrez bientôt plus réapparaître. Tiens, ça le chie. Comment je l'ai tué comme une chienne. Oh, je suis une grosse chienne, les gars. La vengeance. Mais attends, il y a vraiment un truc. Je vous jure, normalement, il les jette plus vite que ça, les tomahawks. Le couteau, j'ai le temps de le... Quand même, je meurs jamais quand je fais ça. Non, j'ai le temps largement de lancer un couteau. De lancer, bordel de merde. Attends, je suis mort pendant l'animation du couteau de lancer. Du coup, il n'y a plus de couteau par terre. C'est un bon jeu, ça. C'est un très bon jeu, hein, putain. Je vous encourage tous de pas y jouer et de regarder les streamers y jouer. Vous amuserez deux fois plus. Parce qu'en fait, si vous regardez les streamers jouer, vous allez vous amuser. Mais si... jouer par vous-même, ça sera moins amusant. Est-ce que je dis ça pour que les gens nous regardent? Oui. Dans le top 10, beau travail.
Allez, allez. Merci à vous, Scuda et grognon après le jeu, je vois ça. Pourquoi je suis grognon? Non, je suis pas grognon. C'est pas être grognon, les gars. Quand quelque chose vous déplaît de le dire, je vois pas où est-ce que c'est être grognon. Tout à l'heure, je m'amuse assez bien dans cette game. Oh, ça l'a pas para. Mais ma para, pourquoi elle l'a pas para? Ça, je comprends pas. Vraiment, c'est un miracle qu'il ait pas été para sur la deuxième para. Hein. Quoi. Je vois pas comment il est pas para sur ma deuxième para. Bref, jeu de merde.
fait la fenêtre. Yes. C'est sûr, mais pourquoi par là? Attends, non, je vais changer d'arme parce que l'attaque V ils l'ont patché. En gros, ils ont laissé toutes ces TK pour l'attaque V et elle bouge debout. Je fais hyper bien du duel à quoi. Attention quand t'as un mec comme moi qui s'approche petit à petit du truc. Là il avait grave l'avantage sur moi pendant une seconde. Il a pas... Je suis allé sans vie et en plus je m'ouvre. Bah lui il était trop chaud, enfin trop chaud oui et non, mais c'était le meilleur que j'ai croisé jusqu'à maintenant, je l'ai tué, j'étais content.
rempli. Ta gueule. S'il y a un gars en dessous de moi ou pas là. Vas-y, je vais retourner là-bas du coup. Ma guarda scucci. Les sons du jeu sont vraiment nuls hein. Un ennemi en dessous de moi, je l'entends toujours pas les gars. Je le tue donc c'est pas, c'est moins énervant d'un coup quand c'est toi qui gagne le fight, surtout en lui mettant un quick scope headshot. Mais enfin, vous croyez que c'est amusant vous, au bout d'un moment, sans déconner. Il y a un ennemi en dessous de moi, je le sais même pas sérieusement. J'ai 10 ans d'expérience dans le jeu, j'ai un bon casque. Vous croyez quoi les gars? Que réellement, s'il y avait un ennemi à côté de moi, je le saurais pas en temps normal. Oh, les... merde. Oh, j'ai tiré, mais il y avait plus de balles. Oh non. C'était là, c'était une erreur de ta part, t'as pas fait esprit je pense. J'avais accessoirement un bouclier dans le dos, voilà quelqu'un. Parce que s'il tire dans mes pieds, bien joué à lui. S'il tire dans mon bouclier, super bien. Ok, il tire dans mes pieds. J'étais même pas voulu de sa part. Mais il tire. Secondes devraient suffire. Sinon, je vais pas pouvoir en boire. Oh yeah!
Oh yeah. Je vous roule ce genre de cigarettes, les refs. Salut Clipper, comment ça va my brother? Oh yeah. Très gros pénis, dis-moi Clipper. Oh yeah. Il te reste encore de la pierre sur ton Clipper, gros? Oh, yo Quentin, yo David, yeah. Yo Abdel. Mon Franck, on est ensemble, tu connais. Allez les gars, je vais sortir la grosse poutre de Bamako. Je vais dépuceler des mers. En vrai c'est chaud de dépuceler une mer les gars, quand même faut le faire hein. Vous pensez que c'est possible les gars de dépuceler une maman ou quoi? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi je dirais que la réponse la plus logique, c'est cela dépend quel orifice. Voilà, ça c'est la réponse la plus passe-partout, la plus juste. Cela dépend quel orifice. Oui, facile. Oui. Oui, Clipper, c'est facile. Oui, mais si elle est déjà maman. Moi personnellement les gars j'essaye d'être tout public hein, vraiment essayer de comprendre que ici c'est vraiment un stream tout public et que on parle vraiment, on essaye de faire en sorte que s'il y a une maman par exemple sur le live, qu'elle se sente concernée, que s'il y a un papa sur le live qu'il se sente concerné, et pas et voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est très important d'essayer de penser à tout le monde, et pas que analement parlant, hein, comme dirait Alain. Donc voilà, nous ici, c'est vrai qu'on est dans l'ouversité de la diversité et l'ouversité. On est ouvert, je veux dire, d'esprit. Et ça, c'est important de le savoir. Hein. Ça saigne et ça déchire. Oh, c'est beau, c'est surprenant, Franck. Putain, je l'ai lu à voix haute, celui-là. Franck. À part la Vierge Marie, je vois pas mon scud. Eh ben oui, il y avait une solution. On pouvait la dépuceler, mais analement, il avait raison, Alain. C'est Alain qui avait raison. Pour de vrai, je pensais à ça. Ah, attends, je me remonte les manches. Ayoub! Ayoub! Ils me la font tout le temps celle-ci, hein! Ils me la font tout le temps! Ah, il est là! Regardez la glissade, hein! Je vais essayer de lui caler. Vous avez vu? Bon là j'étais pas prêt parce que pour moi il était en dessous. Mais vous avez vu la glissade c'est fort hein. Tu peux mettre des petites glissades aux gens. Lui je vais lui atterrir dessus en mode yeah. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, bah allez vous faire foutre. Ça se fait hein. Sauf que ma communauté se fout de ma gueule bien deux minutes hein. Attention,
Je sais pas les gars. Je le sentais bien dans le coin, le gars. Non, tu m'as volé mon kill, petite merde. Oui, oh le chien. Je peux même plus troller. Je peux même plus passer en 4-4 à côté de deux ennemis. Ta maman, je la baise. Je respawn. J'ai déjà dit les gars, désolé, des fois je suis vulgaire. Allez, vas-y, vas-y. Il y avait un gars sur le roof. Moi je dis les gars, j'ai $5000. $5000. Je vais m'acheter quelque chose de fait. Je vais pouvoir commencer à jouer avec mon. Avec mon objet. On va pouvoir commencer à s'amuser, si tu vois ce que je veux dire. Il y a des gars au-dessus maintenant, j'ai vu. Il y a des explosifs en dessous aussi. Oh ouais. Ok, il y a la zone qui avance. Moi je trouvais que vous et moi, on avait un bon passif amical. Là j'arrive comme ça avec mon petit truc. Là il me voit, là il se dit: oh lolo lolo, il a un bouclier. Oh lolo lolo, comment je vais faire pour le tuer. Oh lolo, oh lolo. Et là il est là, il est là, il est là. Oh 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 oh. Oui. Bien joué à lui, bien joué gros bâtard. Il a une bonne. Il a un PC lui, je pense. Je pense qu'il est PC. Il voit trop bien dans l'eau. Parce que moi, si je les baisse bien comme ça, j'ai l'impression que je vois mieux que des fois aussi, tu vois. Mais là, là c'est lui qui voyait très très bien là. Mais merde! Mais putain! Mais c'est pas possible d'être aussi con! Merde! Fils de chien! Oh! Faut te payer pour crever, toi! On arrête d'essayer de me tirer dessus maintenant.
On dit pardon. Je m'énerve. Je pense que j'en ai un en haut à gauche. T'es mort. Putain, par contre, un HP, j'ai le mis, il m'a tué. C'était peut-être pas le meilleur but que j'ai mis sur MP5 parce que de très près elle est très forte. Ah ouais, mais si je me fais tirer dans le bac, ça va pas le faire. Là, à 20h ils vont parler que de mon niveau là, je pense, hein. À 20h ils vont pas arrêter de dire ouais, Scuda Matata, vraiment il a encore gagné des fights improbables. Ouais, vous avez jamais vu JT à 20h ils parlent de moi des fois? Non? Ouais, si vous avez pas vu les gars, c'est normal, tu sais, des fois ils sont discrets quoi, on va dire, hein, quand ils parlent de moi, tu vois, ils essayent de pas. Mais sinon, tu vois, ils ont peur que je dise ouais, vous grattez le buzz. Et ouais, mais je suis pas société, les gars. Tu m'inventes pas une vie. Hein. Ça a aucun sens, frérot. Alors, frérot, allongé comme ça dans l'air, allongé comme ça par terre. Attendez pas du tout. T'as vu ma vie quand j'arrive dans le bat? Lui, il m'a entendu arriver d'ailleurs, parfaitement même pour arriver là. Putain. Incroyable le son dans ce jeu. Dommage. Dommage, bien joué. Je crois que ce qui me bouche le plus le trou du cul, c'est que il m'a entendu et que à peine j'arrive, il savait que j'étais là, le bâtard. TF1 les gars, c'est TF1 qui m'a porté la poisse, hein. Bah, je pense que c'est ça.
Patrick Poivre d'Arvor, là, l'autre, là? Patrick. Ah, je veux du poivre, Patrick. Holy shit, bro. Excusez-moi, les gars, je me stimule un petit peu, des fois, tu vois, comme ça, en chantant. Je chantonne, en fait. Et moi, ce que j'aime bien dans le chantonnement, c'est le mot tonnement. Parce que quand tu chantonnes, tu vois, chantonnement, tonnement, le mot il y est. Et d'où vient le mot tonnement? Je vous expliquais. Parce qu'une fois, je me baladais tranquille, je faisais du camping avec ma femme. Et puis bon, ben, on embarque, petite embarcation, il y avait un lac, on embarque sur un bateau. Et puis là, les gars, tonnement. Je suis monté sur le bateau. Le bateau a commencé à tanguer. Je lui ai dit, excusez-moi, j'ai une couille plus grosse que l'autre. Est-ce que vous pensez que ça vient de ça, quoi? Il m'a dit, non. Vous avez mis une bifle dans la coque du bateau, monsieur? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, le bateau, il est mort. Tonnement. Tonnement. Alors, il y a tonnement pour le poids de tonne et étonnement. Là, je pense que c'est un mélange des deux. Mais enfin, bon, le mot tonner vient de mes couilles et de ma bite, en fait. Sachez-le. Moi, je pensais que ça venait du tonnerre. Eh ben non. J'ai une question, les gars, quand je vais arriver sur Twitch, est-ce que je pourrais dire ça ou pas? Parce que je vois tous les streamers, faut juste que je mette mon live moins de 18 ans, c'est ça? Si je veux continuer de dire des âneries. Parce que je vois les streamers, ils sont là, genre limite caca, c'est grave pour eux, tu vois. Donc, moi je suis un petit peu, genre si je peux pas dire de conneries, ça m'emmerde quoi. Vraiment, ça m'emmerde de ouf, tu vois. Moi à cette heure-là, il y a 10 ans, j'étais en train de faire rire mes camarades à l'école, tu vois. Aujourd'hui, je suis adulte, je vous fais rire, j'essaye de vous faire rire, vous, tu vois. C'est la base. Après, ça vous fait rire, ça vous fait pas rire. Ça, c'est autre chose, tu vois. Ouais. T'essaieras la semaine prochaine. Hein. Et si tu veux, je te laisse en vie. Eh ben non. Oh ben non. Mauvais samouraï, ça. C'est moi qui suis obligé de le faire. Tonnement. Est-ce qu'il a envie de découvrir le mot tonnement, lui? Pas tout là-bas. Le son est bon. Alors là, j'aimerais bien le son, s'il vous plaît. Alors ça, je suis obligé de le mettre sur internet. Je le mets sur internet, ça. Les gars, je le mets sur internet, obligé, gros. Non, vas-y, je le clique. C'est trop. Autant des trucs de où j'entends pas, j'en ai pris plein de fois, tu vois, des scripts. Mais là... Là, c'est un vrai script. On commence à être dans du script... On commence à être dans du gros script, là, quand même. Vous êtes témoins, les gars. C'est quand même, normalement, à peu près, impossible. Tu l'entends. Faut y arrêter, là. Dans ce jeu, ce que j'aime bien, moi, c'est il est pas trop fort. Et vous savez pourquoi il a été scripté? Maintenant, je vais vous montrer pourquoi il a été scripté. On va aller tuer le joueur qui m'a tué. Vous allez voir son niveau, vous allez voir le niveau du gars. Vous allez comprendre par vous-même. Je pense, hein. J'en sais rien en fait. S'il est nul ou pas, vous avez vu son niveau, les gars. Ça, c'est le genre de joueur qui me tue. Le genre de mec qui est tellement nul que j'arrive à l'écraser en quad. Fait que je finis en écrasant en quad. Attends.
le genre de mec qui me revient dessus parce que bah, pour lui en fait c'est jouable de faire ça, tu vois. Il vient de le faire à l'instant, il a son... Il a le script de son côté, alors il se dit que qu'à tout moment c'est une bonne idée de tomber sur les gens comme ça. Mais non. C'est le deuxième ennemi sur ce jeu que je tue en me mettant sur le capot de sa voiture. On va chercher le colis. Ok, donc j'en ai un devant et un derrière. Celui de derrière il est mort. Et celui de devant... Il est mort. Là, il m'approche aussi. Peut-être pas push. Un ennemi atterri dans la zone. Surveillez le ciel. Mais j'aimerais bien jouer bouclier sniper. Je vais me préparer cette classe pour après, ça serait drôle bouclier sniper. Voilà. Vous avez vu là, la rapidité. Et tout à l'heure je meurs, genre je suis pas... Non. Mais... J'ai pas de chance, putain. Le mec arrive à ce moment là, là que j'ai la smoke, que je suis pas à monter l'échelle. Pire moment. Que ça. T'es trop nul mec, tu m'as tué tout à l'heure, mais c'était de la chance. Hop. Ah mais il était dans le coin, putain mais j'ai joué comme ça, ah j'en ai marre. Et y'en est marre. J'ai moins de 3 km, vas-y. Ah ouais, je suis bloqué, je peux pas bouger plus vite.
déjà en retard. Ils l'ont trop buff, hein, c'est n'importe quoi. Juste le bouclier maintenant, tu regardes les mecs avec, tu les démontes. Avant mec, au bouclier, tu pouvais pas genre vraiment frapper à la chaîne comme je viens de faire. Là. Là. J'ai repris. En vrai, je vais retourner. Je vais reprendre ma classe, hein, je pense. De lancer le bouclier. Il faut vraiment ma classe au plus vite justement. Voilà. Là j'ai des couteaux de lancer, là je vois si on me regarde dans le bac, plein de trucs mieux parce que. Le coup de la grenade quand tu es derrière un ennemi, non merci. Il aurait dû la manger, il l'a pas mangé le ref. Attends, je vais me cacher là dans le coin. Peut-être qu'il va arriver, tu vois ce que je veux dire. Je pile au milieu, hein.
Bien joué, bien joué. Jump comme ça en mode vénère, frérot. Oh yeah. L'objectif d'étoile aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Même si Aurore avait rempli tout à l'heure indirectement en donnant 5 subs tout de même, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, elle avait répondu, Madonna Yima, tout à l'heure quand je lui ai dit. Ça va mieux, mais doucement, quoi. Voilà, on avance petit à petit. L'oiseau fait son nid, ok. Bon, je suis content que ça aille petit à petit mieux, Madonna Yima. Putain, même. C'est même pas content, quoi. C'est. Comment on appelle ça? Rassuré un peu, parce que putain, ça fait quelques temps, là. Ça s'est enchaîné, là. Et c'était pas rassurant, quoi. C'est chiant. T'es un peu dans le cercle. La spirale infernale, quoi. De la maladie. Oh yeah. C'est pas un bon, c'est pas une bonne spirale. C'est pas une bonne spirale du tout. Ça a enchaîné. Oh yeah. Donc moi, ça me rassure énormément. Alors, je sais que tu t'en serais sorti, c'est pas le souci, mais c'est que. Moi j'ai des gens dans ma famille qui ont enchaîné les maladies comme ça et c'est pas bon. C'est pas bon. Tu veux, ça part d'un Covid et tu te retrouves avec à te faire opérer de partout. Alors des fois ça veut rien dire. Des fois il y a des gens, ils ont un truc et puis heureusement qu'ils ont le Covid en fait, parce que le Covid fait qu'ils vont voir un médecin et puis le médecin lui détecte les autres trucs. Bon, je dis le Covid, ça peut être un rhume, hein. Mais des fois c'est vrai que c'est con, mais on croit qu'on va bien alors qu'on a un truc. Et puis le fait bah vous m'avez compris. Le fait d'avoir un petit rhume, ça peut te trouver ton truc. Gros joyeux anniversaire, mon Sylvain. Il est là, Sylvain, il entend là. T'as vu mon timing? Putain, je vise depuis tout à l'heure, hein. Au moment où je saute pour me dire allez t'y vas, l'autre, regarde, hop là. Non mais, y a pas pire comme timing que ça, gros. Tu vises depuis 3 quarts d'heure pour que à la fin je saute. Il sort. Jeu de
merde. Bon ça va, je respawn. En gros, pourquoi je suis rentré par la porte? Parce que quand j'étais devant la porte, j'entendais l'ennemi. J'ai essayé de situer le son. Je me suis dit... Je me suis vraiment concentré, hein. J'ai dit il est où? Et là j'ai dit il est en haut. J'ai situé le son, je me suis dit il est en haut. J'ai passé la porte, il était de l'autre côté de la porte. J'ai fait la même hier, MDR. Ah ouais, mais tu te sens con, sa mère. Et tu te concentres à mort. Tu te concentres. Tu te dis, bon, il est au-dessus. Allez, je vais pas en dessous. Tu passes la porte, tu vois quoi? Tu vois le pélo, frérot. Tu dis, non, mais. Tu fous de ma gueule ou quoi? Merci pour le like, yo, tu régales mon ref. Merci pour les petits likes, les gars, pulvérisez la barre de likes, c'est le moment. Merci beaucoup les refs. N'oubliez pas que chaque like égale un Rodolphe de sauver dans le monde, les amis, voilà. Et non, Rodolphe n'est pas un taureau. Rodolphe, c'est une énorme paire de couilles autour de laquelle on avait délisé cette petite taureau. Rodolphe, pense à like. Vas-y, viens. Viens là que je te coupe. Viens là. Viens là. Pour Rodolphe, les gars. Hop. Désolé, j'ai coupé juste un gars avant d'enlever Rodolphe. Pense à respirer. Pense à respirer. Pas besoin. Me lâche un peu ma Delphine Huchette. Ce jeu il nous rend fou là, tu sais, tu es obligé de poser ton cerveau, tu vois, si tu restes pragmatique, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible.
Oh là, ah là, un recul. Non, je pense que c'est le script qui m'a complètement enlevé l'aide à la visée, non? Enfin, il m'avait déjà fait ça. Je pense que c'est le script qui m'a complètement enlevé l'aide à la visée. Et comme je suis fatigué en plus, je me repose un peu dessus là. J'avoue, je suis bien moi, avec l'aide à la visée, c'est bien. Je suis en détente ce matin. J'ai pas compris pourquoi tu te barres. Il était là le frérot, pile là où j'ai été. Ah dommage, j'aurais bien voulu un drone. Bon bah vas-y hein, on peut se barrer d'ici du coup, on peut perdre un temps. J'ai plus d'aide à la visée ou quoi? Je vais me concentrer pour mettre mes balles. Vas-y, le script, ça me fatigue. J'ai vraiment plus d'aide à la visée, on dirait, dans cette game. Enfin, je dois me concentrer pour mettre mes balles. J'aimerais bien que l'aide à la visée elle soit tout le temps comme j'ai là. Putain, si tout le monde pouvait avoir la même, ça serait bien. Le jeu serait plus égal. Le drone ennemi est actif. Ah bah ouais, sans aide à la visée, du coup c'est un peu plus complexe. C'est plus agréable, je trouve, de faire des kills comme ça quand t'as un peu moins. Genre, je sens que des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. C'est le script qui fait ça.
Ok, bon, on va se barrer de là. Je pense que j'ai fait la zone en vrai. Ennemi dans la zone des opérations. Quoi? Ennemi dans la zone des OP? Attends, je me grattais la tête. À mon avis, c'est les loadouts qui sont les. Ah, j'étais pas concentré. J'ai pas vu, il a raté. J'ai le seum. Ouais, je vais faire quand même ce que j'ai dit. Tant pis. Il y en avait un. Mais le son est dégueulasse, putain. Mais le wesh. Ah non, il était allongé. C'est pas le son, c'est pas le son, c'est pas le son. C'est qui camp? Ok. Mais même le son est dégueulasse parce que quand il est arrivé sur le toit, le premier coup, aucun son. Je savais qu'il allait faire ça. Quel chien. Tellement pas normal ça. Ça respawn avec une arme, je l'entends pas, et en plus hein, son arme elle est pas dégueu, tu vois ce que je veux dire. Genre vraiment, c'est le jeu fait des choses pour que tu meurs comme ça, des fois, des moments. Et en fin de game, alors que c'est désactivé la respawn, je trouve que c'est dégueulasse qu'il y ait encore de ça dans la game. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du script, mais même à des moments où. Dégueulasse comme ça, genre vas-y, fais-toi exclure de la game. Comme si je méritais de me faire exclure à ce moment-là par le script. Oh yeah.
qui m'a touché là. Ouais, mais le jeu est dégueulasse. Un max de like, un max de chichi, les frérots! Come on, baby, baby! Facile. Ouais. Si t'enlèves le script dans le jeu, ouais. Oh yeah. Si t'oublies que le jeu a essayé de me tuer 15 fois dans la game, ouais. Non mais c'est vrai, c'est même pas de la mauvaise foi. Regardez le bon joueur là qui a atterri à la fin sans son sur moi et que avec une PM et tout alors que il y avait la respawn désactivée quoi. Ce moment là là. Oh là là. C'est je pense le moment le pire de la game. C'est ça qui est bon, mais oui, du feu les gars. C'est ça qui est bon, effectivement. Scuda, c'est Rainbow et Terminator. Et Ponyta. Moi je suis un Ponyta les gars aussi. Ponyta Shiny, tu vois. Regardez Ponyta Shiny, les gars. Voilà, voilà ce que je suis, moi. Je suis un Ponyta, mais avec des flammes bleues comme ça. C'est trop tôt, tu peux aller me chercher un verre d'eau et de sirop, s'il te plaît, ma chérie. Ici, on va faire autre chose. On va avoir une classe comme ça. Et on va se faire une classe au couteau aussi, d'ailleurs. Mais celle-ci, je vais pas jouer avec aujourd'hui, apparemment. C'est juste pour remettre la griffe. Hop, hop, griffe 1, griffe 2. Ici, vas-y. Clac. Et là, je vais juste me faire un snipe archivisé rapide pour jouer avec le bouclier. Vous voyez ce que je veux dire, les refs? Donc là, c'est vraiment le mini snipe. On l'appelle le mini snipe. Ouah, il est fait pour être pas précis, par contre. Ah ouais, non. Il est fait pour être pas précis. Il y a un nerf volontaire qui est mis dessus. En gros, quand je vise, ça fait un truc comme ça. Et ça, c'est pas possible. C'est pas imaginable, en tout cas. Écoute, ce snipe, de toute façon, j'étais pas 100% convaincu de ouf. Donc, c'est pas très, très, très grave. On va juste modifier au pire notre AX. J'ai vu qu'en ce moment, il y a des gens qui mettent la COJ dessus. Et ça ressemble quand même vachement à un snipe. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est ça qu'ils mettent? Clairement pas. Là ça ressemble pas trop à un snipe et moi j'ai vu des configs comme ça qui me fait vraiment penser à un sniper. Faut voir les lunettes que j'ai après. Ah ouais mais c'est juste, je vais pas l'avoir débloqué tout simplement.
Ça, c'est la vitesse du MCPR. Oh non. Elle a un flow cette lunette. Frérot, je trouve qu'elle a un flow de cette lunette. Elle est un peu grosse, mais il vise à fond avec quand même et. Elle a les petites barres, tu sais, pour regarder. Tu peux mettre sur la barre là, clac, si ça se déplace comme ça, tu peux anticiper. T'as les petites barres même d'en dessous. Je sais pas si elles sont vraiment. C'est des repères potentiels, hein. Ça peut être utile in-game. Une fois que tu connais le viseur. Et là, par rapport à la vitesse des balles. Eh, mais je l'ai essayé juste comme ça pour rigoler. Je sais pas. Y'a vraiment un truc. Hop. Le truc c'est que nous il nous fait un snipe archi rapide. Sans le silencieux ça vise toujours plus vite. Tu as combien de top 1 Scuda tu sais? Ce que j'ai mis dans le titre c'est à peu près vrai hein. C'est pas au top 1 près parce qu'en fait je pouvais pas savoir vu qu'on m'a banni mon premier compte. Mais fiez-vous à ce qu'il y a dans le film réellement parce que j'en ai fait une cinquantaine sur Tariq. J'en ai fait 200 et quelques 200 je dirais, franchement 230 je dirais sur Scuda Matata, on parle que des top 1 sur Ashika là hein. Parce que si vous parlez des top 1 moi dans le titre j'ai pas mis les top 1 Résurgence hein. Enfin les top 1 Verdansk pardon. Vous m'avez compris quand j'ai dit Verdansk. Du coup je pense que j'ai pas mal de top 1 les gars. On va dire presque 400. Après je joue essentiellement pas le top 1 on va dire entre guillemets. Sinon je n'aurais même pas ça tout de suite dans mes mains là. Je n'aurais même pas ça tout de suite dans mes mains là. Eh oui. J'aurai une grosse RPK comme tous vos streamers préférés là, et puis c'est tout gros. C'était une façon de parler hein, quand je disais tous vos streamers préférés. Hop. C'était une façon de parler. Y'a ne sait de le prendre premier degré. Y'a ne sait. C'était une façon de parler, man. Écoutez les gars. Callis. Je me suis préparé un petit sniper et je vais jouer bouclier snap pour le game complètement. Il a pas vu. Il a pas envie de répondre Scuda. De quoi? Ah mais c'était là ce que j'ai dû répondre mais un peu après quoi. Ok. Ça va mon Benoît, tu vas bien le sang? Ah ouais mais tu me l'as demandé plein de fois d'accord Benoît. Ok désolé gros. Désolé mon frérot. Exactement Franck, quelque part pour moi c'est pas le plus important d'avoir des top 1. Si je voulais des top 1 mais c'est intéressant d'avoir mon nombre de top 1. Parce que vous savez comment je joue. Et donc par conséquent si je vous dis que j'ai 400 top 1, vous savez que j'ai 400 top 1 comme ça. Donc c'est intéressant pour vous. Mais c'est sûr qu'il faut pas se comparer à un autre. C'est pas un chiffre comparatif, c'est un chiffre personnel. On n'a pas tous le même style de jeu, on joue pas tous de la même façon. Sans me vanter, si j'ai 6 de ratio en jouant comme je joue actuellement, bon là j'ai dû baisser un peu parce que je suis mou là je trouve, mais bon si j'ai 4,50 ou 5 de ratio en jouant fun, évidemment les gars que si je prends une classe ISO Vaznev et que je me mets à tryhard, bah on va augmenter les ratios et on va augmenter le top 1. Mais vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de moi finalement? Vis-à-vis de moi, puisque ça sera juste mon style de jeu qui aura changé et j'aurai réussi ça. C'est pour ça que je trouve que c'est pas un chiffre de toute façon très comparateur, le top 1. Tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir des gens qui sont très nuls, qui ont plus de top 1 que moi, je pense. Clairement. Parce qu'ils jouent que en équipe, que à 4, ils se collent tout le temps et ils s'amusent. Et bien joué à eux, hein, et je critique pas là. Hein. C'est juste leur façon de jouer et ils jouent comme ça, et même ils temporisent et ils font 4 kills par game. Mais par contre, derrière, ils te sortent 10 top 1 par jour. Et il y a vraiment des gens comme ça, les gars. J'en vois pas. Il y a vraiment des gens, les gars, qui te sortent énormément de wins.
et qui sont pas forcément des monstres. Puis t'as des gens aussi, hein, comme je sais pas moi, des joueurs professionnels hein, carrément qui font moins de top 1. Hein. Peut-être comme je sais pas, moi je veux dire au pif, un nom d'un mec très fort, ESK, qui est super fort. Bah peut-être qu'à tenter des 360 au sniper, parce que j'ai vu il tente aussi là, c'est bien ce qu'il fait. Bah peut-être qu'il fait moins de top 1 qu'un autre, tu vois, et pourtant je suis sûr qu'il est plus fort que beaucoup de Français. Donc voilà. Non mais je me justifie pas là, hein. Je vous explique juste un truc, je discute comme ça, quoi. Et c'est vrai que je pense que c'est un chiffre. Individuel, voilà. Je parle que du Warzone 1, sachant que j'ai joué depuis un an et touché jusqu'à ce le ping direct. De quoi? J'ai pas compris ce que tu veux me dire, David. Est-ce que c'est possible d'avoir 800 top 1 depuis Warzone 1 largement, puisque moi j'en avais plus de 1000 rien que sur Warzone 1. Est-ce que c'est possible d'en avoir 800 sur Warzone 2 que sur Warzone 2 totalement? Je pense qu'il y a des gens qui ont 3000 top 1 tout de suite. Déjà, les mecs qui tentent de faire des nukes, ils ont énormément de top 1. Batteuse toute la game, ils sont pas mauvais donc ça fait du top 1. Attends, je vais recharger parce que cette arme elle est infâme et lui avec son explosif de mort là, il va me tuer, je connais. Attends, on va faire la technique. Grosse merde! T'es un français en plus, Sicario. Hein. J'espère que t'es pas un abonné hein, quand même. Oh, le karma n'est jamais trop loin. C'est pas en jouant comme ça que tu fais le plus de top 1 au final. Mais qu'est-ce que c'est fun, putain, de mettre des balles de snipe. Qu'est-ce que j'arrêterai pas de vous proposer ce gameplay. Ah, je peux pas clipper. Okay. C'est dommage parce qu'elle était belle. Oh, elle était belle, tu me diras. Elle était belle, mais je peux la refaire quand j'ai envie celle-ci, donc c'est pas très grave. Des balles que je devrais pas manquer. Putain, mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis vraiment une merguez. Oh non, ça c'est la première fois que je le fais, c'est terrible. J'ai des couillons tirés un léopard. Lui,
Il s'est dit pourquoi tu vas dans l'eau. Je vais dans l'eau pour te baiser. Et là je prends la sauce bébé. Oui oui. Ok. Ça fait bizarre de courir avec une arme qui a pas de viseur quand même. Montre-moi ta tête, allez, boum. Ok, personne, s'il y en a un mec en l'air là-bas. Oh putain, mais je suis mou. Craquons les pouces là. Ça aurait été cool de l'exécuter en montant avec lui sur le jet. Alors on sait ce que tu dis, on peut pas le faire. Mais ça aurait été cool de monter avec lui sur le jet. Ah mais je vise alors qu'il faut pas viser. Là je viens de tirer sans viser, mon dieu que c'est fort. Mais frère, je suis en train de tester une arme là. Pas mal du tout en fait. Faut juste pas viser. Oui. Mais attends, mais c'est fort à quel point? Parce que là il était low mais Vas-y putain, j'ai encore un truc à tester alors que j'ai testé ça. J'avais entendu dire à quelqu'un que c'était super fort. Et moi j'ai toujours dit que j'avais du mal à la jouer. C'est la première fois que... je sais pas. Première fois que je la joue vraiment quoi. Faut juste avoir un bon crosshair quoi. Moi c'est pas trop mon handicap en vrai, mon crosshair il est bon. Si j'ai envie de faire couler le sang là avec. Le seul inconvénient, c'est que c'est hyper visible. Soldat ennemi en approche. Tu peux quand même pas viser. En vrai, c'est fort au corps à corps de ouf. Hein. Mais après...
Oh mais putain, ce jeu est cassé hein. Dans ce bat un peu pour avoir des fights corps à corps, voir un peu ce que ça donnait le ce snipe, cette PM, les frères. Je pense que vous l'avez vu tous par vous-même, elle est incroyable. Ouais d'accord, je te flash et tu me mets ça. J'allais ce masque, c'est juste une vieille bordel de merde. J'ai déjà arrivé de rencontrer en game show Punkil. Ouais, j'ai rencontré Punkil Show, Entrepreneur Geek, Apex Unreal. Après, j'ai rencontré des plus petits, mais des gens qui sont très bons aussi sur le jeu. Genre, ah, j'ai plus son nom, mais j'en ai croisé, les gars. J'en ai croisé in-game. J'ai croisé Cyrix, frérot Cyrix. Je l'avais mis trop du sale le jour. C'est Cyrix que j'ai mis le plus cher, les gars. Mais attention, hein, c'est lui que j'ai sûrement que j'adore le plus.
Mais c'est vrai que si je lui avais mis un quickscope headshot, on peut pas l'enlever. Chaud, je l'avais mis du sale aussi. D'ailleurs, il m'avait insulté. Enfin, pas vraiment insulté, mais il avait salement critiqué. Je l'ai mis sur ma page d'ailleurs. Punkill, je l'ai tué, mais je savais même pas que c'était lui. Parce qu'il a des comptes. Il a 20 000 comptes différents. Du coup, je l'ai appris trop tard. Kigunin, je l'ai jamais croisé une game en ennemi. J'ai joué avec lui. Et puis c'est ça commence on commence à faire le tour. Après j'en ai croisé pas mal. Entrepreneur Geek, je lui ai mis une tête au snipe. Aizen, ah c'est vrai ce que tu dis. Aizen, je l'avais tué. Mais alors ouais. Lui j'ai juste oublié parce que en fait je l'avais tué mais c'était au start, c'était au lobby. Dans la game on s'était pas croisé. Du coup voilà. Mais bon, en tout cas c'est intéressant de savoir qu'on l'avait croisé. Sheikouz, non, je l'ai jamais croisé une game. Mais après, je crois que Sheikouz, il mettait les VPN sur Warzone 1. Du coup, sur Warzone 1, on pouvait pas tomber ensemble déjà. Moi, je jouais sans VPN. Mais sur le 2, en tout cas, non, jamais tombé. Pensez bien à liker le stream, les refs. Il a une capuche. Salut, super tétra de quoi? Pensez à Rodolphe toujours, toujours, toujours. Attends, je vais plomber le cul. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, j'avais oublié que j'avais tué. Sheikouz, je l'avais croisé effectivement sur Warzone 1 en top 2 et je l'avais tué. C'est vrai, je l'avais mis un beau duel en plus. C'est vrai. J'ai complètement oublié ça, tu vois. Là, comme ça, tu m'aurais de vraiment. Hein, tu m'aurais dit. Bah, il m'a posé la question. Je lui ai répondu non, quoi. Putain. Si, 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 si. Sheikouz, je l'avais tué aussi. Et lui, je lui ai bien mis cher en plus le pauvre parce que c'était en top 2. C'est tellement frustrant de mourir en top 2, je trouve. L'autre rageux qui insulte, non, mais moi il m'insulte pas, Benoît. Mais je vois de qui tu parles, et moi non, je l'ai jamais croisé. Mais après, si je vais tout de suite sur son live et je lui dis bonjour, il va me parler gentiment à moi. Il insulte les gens qui méprisent, et comme c'est 99%, bah, mais je sais parce que une fois il y a quelqu'un qui avait parlé et ça avait parlé en bien, contre toute attente, je m'attendais à. Ça parle pas en bien. Mais bon, il a insulté des abonnés à moi, alors c'est pas beaucoup. Le monsieur dont vous parlez. D'ailleurs, tout le monde sur Facebook l'aime pas beaucoup, vu que Sheikouz aussi le déteste. Qu'il arrivait tout doucement. Oui, ça va. Ok, bah pas de soucis. Le jeu est bien fait alors dans ce cas-là. Quoi? Quoi? Il a mis un petit coup de sprint quand même, hein. Il a mis. Putain. Je l'ai pas entendu du tout, quoi. Au moins le petit coup de sprint là. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas de bon son parce que, comme je vous dis, hein, comme j'écris dans mon message, hein, le jeu est bien. Hein. C'est juste dommage quand même de mourir des fois parce que t'entends pas un ennemi qui est à 2 mètres de toi et qui court, quoi. Là. Il aurait pu avoir un ennemi qui me tourne le dos là, tu vois, tu m'aurais pas entendu non plus. Parce que je rage quand ça m'arrive, mais je le mets à d'autres joueurs, bien sûr, ça m'arrive très souvent même que de tuer des joueurs qui m'entendent pas. Heureusement que c'est pas qu'à moi, mais bon. Vas-y, on va aller le tuer.
Vous avez vu, quand t'es low, un hit glitch, comment c'est fort, c'est ce que je vous disais. Hein. Enfin, même quand t'es pas low, mais un hit glitch, vraiment, c'est incroyable. Hein. Là, il suffit que de bien jouer ton hit glitch, de pas lâcher ton hit glitch. Et voilà. Hein. À l'usure, tu l'as. Hein. Alors que pourtant, il m'avait mis à littéralement un HP le frérot. Après, je savais qu'il était là, je l'ai vu atterrir, donc je pense que ça doit y jouer sur mon temps de réaction aussi. Le fait d'avoir déjà l'info qu'il est vers là. Ça, forcément, je suis moins surpris par me prendre des tirs. Drone ennemi juste au-dessus. Je vais aller chercher mon snipe maintenant. Je me suis dit, j'ai envie de jouer bouclier sniper. J'ai envie d'essayer. Ça va être un peu dur, mais ça peut que être fun à voir. Je le joue de mieux en mieux le bouclier. Bon, c'est pas. On commence à prendre le coup de main à force. Moi, il me faut le snipe maintenant. Bon, par contre, j'avoue que contre lui, si j'avais pas eu les dagues, ça aurait été plus dur. Fait chier, j'allais aller à la. Allez, dégueulasse la mobilité de sa MP5. J'allais aller à la truc pour m'envoler, elle a disparu, la tiro. Y'a pas de shop à gauche, hein, non, putain, moi j'ai mon snipe. Ça va vraiment être stylé, Boubou Snipe, je pense. Oh yeah! Oh, y'a pas le shop là aussi. Y'a pas le shop là aussi. Ah bah ouais, bon, bah, les gars, le snipe, c'est pas que je le veux pas, hein, c'est que. Mais oui, mais. Oh, on peut pas se bait là, tranquillement. Comment il a fait? Il a fait demi-tour et l'autre lui a pas tiré dessus.
Il y a des déplacements, des fois je comprends pas. Il y a le mec sur le toit là-bas. Et l'ennemi qui était contre moi, tu vas me dire, il a réussi à faire demi-tour. Sans que l'autre lui tire dessus sur le toit là. Ça aurait été moi qui aurait fait ce mouvement là, frère. Je me serais fait dépuceler pour ça. Chercher l'autre là-bas. Bats. Le gars là que je vous disais de tout à l'heure là, qui a pas, il a pas bougé du coin, il est resté là. C'est grave, j'ai vu comme ça. Là, je suis mort. Ouais, je suis la mort de pas loin. J'aurais eu les balles, vous avez tous vu le move de fou que j'aurais fait. C'est que mon arme avait plus de balles dans l'arme. Ah, j'aurais fait un sale move, les gars. C'est que l'arme que j'avais, elle avait plus de balles. Oh, j'avais trop bien joué sur ce move, putain. Ah, putain, frérot. J'ai le seum. Ça pique, hein. Ah, le move qu'il avait pris en plus, pour le coup là, il avait pris un sale move. Et lui, regardez le rat. Oh, il est trop con, il tire encore là. Regardez ce rat. Mais pas celui qu'on regarde, pour hein, te celui racheter des chocopiques, parce que là tu en as plus depuis la dernière fois. Il est encore sur son parking lot là-bas. Oh, mon Colin d'Alaska pour te racheter des chocopiques. Mais oui, j'ai acheté des crunch. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fini les crunch, mon gros. Merci beaucoup. Mais tu sais que c'est vrai en plus. Tu sais que c'est vrai pour de vrai, hein. Mais tranquille. Tranquille, mon ref. Les chocs à pic. Je viens de capter. T'es un filou, toi. Merci, mon Colin, mon ref. Via Tox. Est-ce que vous le disiez ça avec vos potes, les gars? Vieux Tox. Nous, on se disait trop ça à l'époque. Espèce de vieux Tox. Mon snipe, je le trouve trop stylé, gros. Il a un style. Regarde ça. Style de petite écriture chinoise, hop, bam, bam. Vieux stun. Vieux Tox. Ah ouais, gros. Vieux stun. C'est bon, ça les... Et vieux Tox, vous savez d'où ça vient l'expression ou pas? Enfin, moi, pour moi. Moi, je n'avais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le plus riche de toute la Tessie. Je deal à mourir, je deal à mourir.
Vous pourrez consommer tout ce qui vous plaira. Je n'aurai qu'à ouvrir l'espace de mes bras pour vous refournir, pour vous refournir. Je dis la mourir. Et j'ai dû faire toutes les galères pour être aussi riche aujourd'hui. J'ai dû faire toutes les galères de Paris. Et d'Astafor aussi. Les gars, qui c'est qui a la ref? Ce coq là. Oh, Francis Cabrel, là, il a direct mis Colin. Oh oui. Francis Cabrel, les gars, pas Cabrel, Cabrel, attention. La choco. La choco. Pas de crédit, mon ref. De la vie d'Astafor aussi. Il a sorti son zizi et il l'a dérobé. Il me l'a dit, je vais te porter, te le mettre dans la tête. J'ai sorti mon zizi et je lui ai montré qu'il était gros et plutôt musclé, qu'il pouvait se contracter. Et je vais mettre des quickscope headshot, des quickscope dans la tête. Il va mettre des quickscope headshot dans la tête, dans le headshot. C'est pas facile, ils sont tous après moi. Mais bon, je te le dis, c'était à prévoir. Je vais lui remettre. Paralysante, il ne s'y attend pas. Je passe par là et il n'est pas là. Et là, il m'a vu. Attendez, peut-être une tête. Oh non, pas maintenant. Ils sont rusés aujourd'hui. Oh non. Une belle headshot. Dans la tête, Astafor aussi. Et je continue d'aller les niquer, ces gros fils de pute, pas de quartier. Oh oui, je te dis. Frappe de presse, je saute par la fenêtre. Oh putain con, j'ai failli m'y mettre. Et pas en revenir, et pas en revenir, et pas en revenir. Oh putain con, il m'a niqué ma mère. Oh putain, je vais revenir. Oh, il se fait tuer par un bambi. Les baisers, les ennemis. Je sais pas que je suis caché. Je reste là, je vais le camper. Le tryhard va revenir. Il s'appelle Evil Up et il le maniqué. Le noobie l'a tué, dans son dos c'est clair qu'il va être énervé. Il va revenir à fond les ballons. Tout ça pour que je vienne le niquer. Je crois qu'il s'est fait niquer dans les escaliers. Attention, ça nique tout. L'ennemi a déployé un drone de brouillage. Il arrive là. Oh, j'aime pas camper, c'est chiant. C'était soit il venait maintenant.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai des balles de snipe qui se perdent là, les gars. Des balles de snipe qui se perdent. Level up. T'as vu? Quand j'essaye pas de te mettre un quickscope dans la tête, c'est plus facile. Il atterrit sur le toit. T'inquiète pas, j'y suis pas. Vous pouvez toujours frapper. Ah, j'adore quand il dit ça dans la musique. Vous pouvez toujours frapper. Je sais pas, je suis pas. Je suis chez Mounir. Oh, Mounir, frérot. Il a bercé ma jeunesse. Mounir, le frérot. T'as pas un snipe? Ah, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. On s'arrange. Bonne humeur, on n'est pas obligé de toujours se faire la guerre. Oh, on va peut-être du... on va mettre la plaque. Mais comme il y a... En vrai, le son, je peux pas encore une fois dire la même chose, hein, mais les gars, je l'entends pas du tout, le gars, là, quand il revient. Je pense que lui non plus ne m'entend pas du tout, au passage. Il est toujours frappé, cherchez pas, je suis pas... Prendre mon colis. Très mauvaise idée de me suivre dans l'eau. J'ai des épées. Wesh, ça va. Faut être déterminé. Ennemi dans la zone des opérations. Plus que 25. Belle progression. Drone ennemi juste au-dessus. Putain, tous les tirs qu'il y a partout, vous avez vu? C'est un... ça a pris cher la zone. Frappe. Moi je dis je vais quand même en aller avec. Il a sauté dans l'eau, il est ressorti par là-bas, non? Par là-bas? Tu fais quoi? Ah oui, il est tout là-bas dans l'eau, ouais. Ah ouais, mais regardez, ils devraient pas faire ça les mecs. C'est que dans l'eau, moi avec mes dagues, je suis hyper avantageux. Il est parti faire quoi là, l'ennemi, sans déconner quand même? C'est grave, hein? Son déplacement là. C'était vraiment le move qui t'amène à faire 0 kill, juste qui te cache quoi. C'est original. Ah!
Il a pris la clé mort de l'autre. Oh là là. Ça c'est ma petite technique, tu peux acheter des bêtises à l'infini, tu en jettes à l'infini, tu reprends ton couteau et tu te barres. Bonne technique ça. Chaque fois que j'en tue un comme ça, hein, je dis toujours la même phrase. Hein. Oh le pauvre hein. Ah là, il m'a cramé. Elle est belle, elle est très potente. Oh, il y en avait un là aussi, pas qui campait. Oh. Il était bizarre le gars quand même là qui me visait. Tu te dis, il y a deux mecs qui se battent en dessous de lui, il est là, accroupi, en haut de son truc. Regarde, regarde son niveau de jeu, frérot. C'est tellement. Désolé, hein, c'est pas parce que je suis mauvais perdant, mais c'est tellement nul de jouer comme ça, frérot. Il est éclaté au sol le mec là. Lui aussi est mort par ça. On va oublier. Tout tout tout. Magnifique. Ouais, vous avez bien aimé. Venez, on se casse du jeu pour la dernière heure, les refs, s'il vous plaît. J'en ai un peu marre. J'ai envie de rester avec vous, mais j'ai plus trop envie de jouer. Je commence à fatiguer. On a kiffé là, 3 bonnes heures sales de couteaux de lancer, de balles de snipe et tout. C'était vraiment cool. On a fait, finalement, on aura pas fait pas mal de top 1 aujourd'hui aussi. Par contre, j'ai juste pas compris. Genre, j'ai pas pu clip. Sors ta guitare, Scuddy. Ah, tu sors la guitare, mon ref. La guitare, c'est ce qu'il y a, tu vois. 3 heures, c'est cool. Ouais, mais j'ai quand même envie de rester avec vous, les frères. Vous savez que la map d'il y a 6 ans là de Fortnite, elle est ressortie ou pas? Qui sait déjà qui jouait il y a 6 ans, du coup, quand le jeu il est sorti, et qui buzzait et tout? À cette merveilleuse époque hein, du jeu vidéo, hein, pour le coup, là, c'était fou. Après, c'est devenu ce que c'est devenu, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est vrai qu'initialement, Fortnite, putain, c'était quelque chose hein, qui avait touché le monde entier, quoi. Mais bon, après, ça a vachement évolué. Mais il y a 6 ans, tu disais Fortnite à une grand-mère, elle savait ce que c'était. Hein, tellement que l'engouement qu'il y avait autour de ça, c'était fou. Eh ben, les gars, j'ai envie de tester un truc. Si ça marche, les gars, on joue sur la... Je sais. On joue sur la carte de l'ancien Fortnite, les refs. Vraiment, mais vraiment l'ancien Fortnite. Genre, à l'époque, ça sera tout pareil avec... Avec Tilted Tower et tout, j'aurais bien voulu essayer. Je l'ai pas essayé encore.
Moi j'ai joué à un mode où il y avait que 30 personnes, c'était un peu plus rincé, mais là on parle d'une vraie carte que j'ai pas encore testée. Ça fait quelque chose? J'ai peut-être mal mis le code. Ma chérie, pour mettre les codes, c'est où? Non, c'est bon, je l'ai trouvé. Oh là là, c'est exactement ça, Reboot Royal. C'est ouf. Vous avez Monique et le concombre? Et voilà mes frères. Hop. Vas-y, j'aimerais bien voir. Eh ben ouais, je vais vous montrer. Alors j'ai plein de skins qui sont trop bien. Mais les refs. Ah, c'est revenu? Non, le pseudo c'est tout. Je vais prendre un skin de l'époque qu'il y avait avant, tu vois, pour me rappeler un maximum de nostalgie. Les gens qui jouaient au jeu à l'époque, du coup, vous allez avoir aussi cette chance de reconnaître un petit peu, tu vois. J'en ai plein de skins de l'époque, moi, parce que avant, je jouais beaucoup au jeu, donc j'ai beaucoup de skins. Ah, ça, c'était le pass de combat l'un des premiers, tu vois, par exemple. Moi, je vais me prendre un skin vraiment d'époque. Il y en a plein des skins d'époque, là. Putain, j'y arrive pas. J'arrive pas à trancher. La mamie, je sais jamais la touche, cette salope, là. Putain. Vas-y, je vais prendre lui un Ghoul Trooper, hein, saison 1, gros. Ghoul Trooper avec la faucheuse, hein. Débarre. Vas-y les refs, hein, c'est parti, hein. On va tester directement. Ça, hein. Session publique. Désolé, vous ne pouvez pas utiliser cette partie dans ce mode de jeu. Pas un bug? Oh non, attends. Tu sais qu'Epic Games, c'est des gros chiens s'ils ont fait ça. Parce que là, le mode, il était encore mieux que le précédent. Je pense. Attends. La partie personnelle dans ce mode de jeu. Je crois qu'Epic Games, ils ont fermé tous les serveurs. Et s'ils ont fait ça, c'est juste parce que ça faisait de la concurrence à leur map principale. Ouais, c'est ça. Oh non, mais attends. Faut voir l'actualité. C'est ouf s'ils ont fait ça. Tous les développeurs du jeu en ce moment, c'est des dingues. Ils font des dingueries quand même. En fait, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Mais go, surtout, surtout, hein, n'écoutez surtout pas la communauté. Parce que la communauté, eux, ils veulent s'amuser. Ce serait dommage. Non, nous, on veut faire que de la thune. Que de la thune, que de la thune, que de la thune, mon ref. C'est comme si moi, là, j'étais là tout de suite, il y en a un qui me dit, tu veux jouer avec moi? Je lui dis, t'as payé, mec, tes soutiens? Tu m'as envoyé des étoiles? Ouais, bon, ben viens, vas-y. Tu sais, je te dis même pas merci, parce que eux, ils te disent pas merci, tu vois. Ouais, vas-y, viens, viens, vas-y. Tu veux quelque chose? T'as payé? Non, t'as pas payé? Ça me ramène pas d'argent, je sais pas si je vais le faire. Hein. Non, mais c'est cette mentalité-là, tu vois. C'est exactement ça, les gars. Et là, le problème, c'est que c'était ça c'est de la concurrence à leur bail. Mais je vois pas pour autant d'actualité pour dire que c'est verrouillé. Donc vous, vu que vous n'avez pas le contexte, en gros, les éditeurs de Fortnite, ils sortent une map tous les ans, d'accord? Tous les ans, on va dire ça, hein. C'est pas vraiment réel ce que je dis. Et ils veulent que les joueurs jouent à leur map. Donc là, en créatif, il y a eu la possibilité de débloquer l'ancienne map. Et je crois que ces enculés, pour pas faire concurrence, ils l'ont. Ils l'ont Keblo. Alors, j'ai le code ici, on va le reprendre, hop. On va relancer le jeu, on va voir. Un bail. Hop.
Ouais, et puis du coup, bah, si je peux pas faire ça, bah, je peux peut-être relancer Warzone alors. Tant pis. Après, j'ai d'autres jeux. On peut regarder ce qu'on a. On va bien voir. C'est quand même grave, ça, les développeurs, qui, à chaque fois, ils écoutent pas. Et pourtant, ils se sont cassés, Luc, à l'identique. Ouais, c'est ça, Franck. J'en parle pas là, mais en gros, c'est exactement ça. Il y a un gros travail derrière. Et vraiment, c'est très très gros ce qu'ils ont fait. Derrière, là, je tape le code, ça ne marche pas. Quand je mets le code dans Battle, et, tu vois, clé personnalisée, accepter, il me remet pas tombé dessus. Et du coup, je suis obligé de la trouver par moi-même. Je la trouve par moi-même et quand je lance. Ah, d'accord, ok. Mais attends, c'est pas très important parce que j'ai trouvé la carte. Ouais, non, mais elle est bloquée. Ok. Bah pour le coup, j'avais bien envie d'y jouer, mais que dans cette carte-là, c'est vrai que je suis trop déçu. Ah ouais. Pourquoi ils font ça, les développeurs des jeux, de pas écouter leur communauté? C'est fou, hein. Je suis pas con, hein, les gars. Quand je pose la question, j'ai la réponse, hein. Ça me tue d'avoir la réponse. C'est juste une question de long terme. Ah, yes, yes. Bon, c'est un autre problème que ça. J'ai essayé de lancer un autre mode au pif et ça a pas marché. Du coup, c'est juste mon compte qui bug là tout de suite pour une raison. Raison qui m'échappe. Est-ce que ça ferait pas tout débugger si je lancerais une game normale? L'instant, c'est une game normale, les gars. Désolé, vous ne pouvez pas utiliser la partie personnalisée dans ce mode de jeu. Ah oui, non mais d'accord, mon jeu est bien, 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 bien quitté. Ah, j'espère que c'est pas parce que j'ai pas mon dernier pilote Nvidia à jour. Pas à jour. C'est chiant! Pourquoi maintenant, frérot? Attendez, on se met de la musique là. Bonne ambiance. Eh oh! Ouais, mais c'est bon, Franck, t'as vu, c'est juste moi, ça bug, mon ref, et ça, c'est cool. C'est une bonne nouvelle, par contre, que ça soit moi qui bug pour le coup, parce que ça veut dire qu'il y a encore le mode Battle Royale saison 1. Ça, mec, c'était en train de me. En fait, il me faut des ascenseurs émotionnels. Genre, à la base, Epic Games, ils devaient aider les développeurs pour ces maps-là, parce qu'il manquait des choses et tout. Pour la capacité et tout. Au dernier moment, ils ont changé d'avis. Ils l'ont pas fait. Même pire, les créateurs qui font des maps saison 1 ne sont plus rémunérés pour ça. Ce qui est très grave, hein. Gros coup de massue sur la tête. Bon, les développeurs qui créaient tout ça, ils ont pas lâché le morceau. Ils ont quand même sorti la map saison 1 sur Fortnite. Super, jeu finalisé, je veux dire. La reboot est sortie hier. Et là, j'ai cru qu'ils l'avaient enlevé. Alors, ça, forcément, ils jouaient un peu trop avec. Donc là, je lance une game normale pour faire débugger mon jeu. Mais on va aller jouer sur l'ancienne map. Moi, je m'en bats un petit peu les couilles de cette carte. Je vous montre pas les refs. Même si elle est plutôt jolie, j'ai vu que c'était bien fait. Mais voilà. Je joue au flipper. tu connais, mec. Nick! Je finissais juste le message de Super Tetra. On a développé Monique, les enfoirés.
pas le flipper, ça fait trop de bruit. Pensez à liker le stream, les frères, même si on est. Le live est, on va dire, sur une autre passe. Pourquoi c'est si long? Mais wesh, Fortnite. Oh! Pourquoi il croit que je suis clavier souris? Ah regardez, c'est ma manette qui bouge, il croyait que j'étais clavier souris. Ah oui voilà. Let's go. Dans la souris en fait c'est qu'elle est archi trop sensible dans Fortnite. Alors on va la mettre sur le côté, voilà. Manette. Manette poteau. Les gars, pour ceux qui suivent tous les jours, vous allez être contents parce que tous les matins, ça sera tous les matins, ça va pas changer. Je vous ai dit, le mois prochain, je rends mon partenariat, j'ouvre ma chaîne Twitch, comme ça je fais Facebook et Twitch. Mais ça va pas changer, je veux dire, le contenu, on sera là, votre émission du matin, elle continuera, ça sera du Warzone et tout, vous inquiétez pas, tu vois. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que... tu vois, sur Facebook, c'est plus centré autour de Warzone, tu vois. Mais si j'ai envie de faire un live de temps en temps pour me décontracter sur un autre jeu, le soir par exemple, tu vois, ou même si j'ai envie de faire du Warzone le soir, et ben il y aura plus de monde sur Twitch. Ça sera cool. Enfin non, pas pour Warzone. Warzone, il y a du monde quand même sur Facebook, c'est cool. Je suis à Tilted Tower et j'entends pas de tir, c'est normal. Enfin, je suis à Tilted Tower, vous avez compris. Je suis à l'ancien Tilted. Et vous inquiétez pas, on joue à la nouvelle map après, hein. À l'ancienne map plutôt. Frère, je suis à Tilted, y'a pas d'ennemis. Moi je vais la quitter la game, hein, par contre. Ça je vous le dis, hein, je joue pas avec des lobbies de bots comme ça, je déteste ça. Dans Fortnite, j'ai toujours détesté. Alors, je dis ça, je vais croiser un ennemi, ça va être un monstre. Possible. Ah, y'en avait deux. Attends. Des ennemis. C'est que j'ai pas de build. Mais on peut pas build, c'est que je pouvais pas build ici ou c'est qu'il en avait pas le mec que j'ai tué? Parce que j'ai ramassé ses builds direct instant et j'ai build. Et il avait pas de build aussi, dommage. Bon allez, de toute façon c'est pas cette map que je voulais essayer. Hop.
Ah, vous avez vu, je l'ai mis cher au frérot le premier. Parce qu'en vrai, il m'avait mis une grosse balle de pompe. J'ai fait comme j'ai fait à la Call of. J'ai utilisé le glitch pour lui mettre les deux bonnes balles. Alors, votre avis nous intéresse. Comment avez-vous trouvé le niveau général des adversaires de votre dernière partie comparativement au vôtre? Bien plus élevé que le mien. Voilà. Vous, comme ça, la prochaine fois, vous mettrez bien des gros noobs. Voilà. Ah. Comment avez-vous trouvé le talent pour le tir des adversaires de votre dernière partie comparativement au vôtre? Oh, bien plus élevé que le mien. Oh oui. Comment avez-vous trouvé le talent pour la construction? Oh là 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 là! Pour la construction, en plus! Surtout qu'on n'avait pas de build. Bien plus fort que moi. Oh là là. Ça, faut toujours dire ça, les gars. Comme ça, s'ils vous renvoient une game derrière, t'inquiète. On a les strats. Faut mettre son ego de côté un peu dans les questionnaires, tu vois. Allez, les gars, map saison 1, ce coup-ci. Parce que là, c'était la petite chauffe. Eh hey, mais je serais pas mort hein. Je savais, je l'avais entendu arriver. Parce que là c'est Fortnite, là on est pas dans Warzone. Là je l'ai entendu le gars là quand il est arrivé. C'est pour ça que tu vois tu dis rien, tu vois, tu rages pas après le son, tu vois, au moins là. Tu l'entends, c'est parfait. Mais j'ai mis le mur et il s'est pas posé. Oui, normal, le gars que j'ai tué n'avait plus de buzz. Revis ton passé. C'est exactement ça. En live en plus. Avec pas beaucoup de viewers en plus, c'est vraiment mon passé, frérot. C'est là, je revis, c'est ça. Pas beaucoup de viewers, mais des viewers qui ont du cœur, tu vois. Et ça, mec, et ça, on l'oublie pas. Waiting, regardez les. Oh là là, les anciens graphismes! Juste avant, on vient de la map d'avant, de la dernière en plus. Du coup, là, on voit bien le. Oh là là! Oh, c'est mieux! Non, hé, hey, les gars, j'ai. Je suis sur les anciens graphismes, le jeu est plus beau, on en parle. Non, plus beau, j'en rajoute. En vrai, il faut être objectif, graphiquement, c'est pas plus beau. Mais je préfère comme ça, gros, y a pas à dire. Ça, par contre, j'en rajoute pas, je préfère large comme ça, frérot. Ah, ici, je faisais toujours des sauts, là, ici. Ah non, là, je suis nul, parce que normalement, tu peux vraiment le... Voilà, tu peux ne jamais toucher le sol. Ah, puis ça aussi, on l'a tous fait, ce truc, là. La petite piste. Oh oui. Des souvenirs, rien que t'es au pré-lobby, t'as des souvenirs. Non, Scuda a 18 ans. Scuda a 18 ans. 17-18 ans. Merde. Scuda a 17-18 ans, ouais. Et j'étais fin du lycée, je pouvais encore à peu près jouer. Et puis après, je me suis barré du lycée. Et donc j'ai joué pendant toutes les vacances comme un gros porc. Et puis mon père il m'a dit tu veux arrêter l'école, tu trouves un travail, sinon tu y retournes. Et du coup je me suis trouvé un travail en intérim et voilà. Le spawn ça m'a pas plu, il y avait pas le bus comme les autres. Mais bon, si c'est pour qu'à côté de ça on soit 80 et que la map soit comme avant, je vois ça le tuer. Putain, y'a déjà un gars qui va dans mon battre. Oh les gars, la première game va être compliquée, la vie de ma mère. Y'a des petits lags, je sais pas. C'est de l'ancien Fortnite. Les lags, c'est bon, ils vont passer, donc ça c'est cool. Mais pour le moment, je les trouve pas si néfastes parce que ça ralentit le jeu un petit peu par rapport au niveau actuel. Et j'ai l'impression d'être encore plus sur le 1. Comment il est tombé sur moi là, c'est exactement ce qui se serait passé avant. Tu vois, il aurait été surpris de tomber. Alors que maintenant, les joueurs ne sont plus surpris quand ils voient ça. Là, il a été surpris, ça m'amuse. Faut que je trouve un pont plus vite. Oh, bien joué, mais gros, il a de la chance. Il a un HP ou c'est comment? Oui, un HP. Il a un HP. Il avait un HP.
Mais frérot, meurs. Je l'ai remis les balles. Ah trop bien, trop bien, trop bien. On lance une game les gars, on lance une game, tu vois. Ça manque les gars. Ça manque les gars. Oh là là, le tout, la petite décalque m'a mis tout. Oh là là. Fortnite frérot, mais d'époque, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est même pas le même jeu frérot. Avec les armes d'avant. Putain, et juste il manque les. Ouais, comme il disait, les sons. Puis le bus, ils l'avaient mis là sur la. Ils avaient mis une map où on était moins, elle était moins bien que celle-ci. Mais il y avait le bus. Là je sais pas, j'ai spawn comme ça, pas de bus. Un peu dommage. Est-ce que c'était un bug de l'activité? Est-ce que là on va avoir le bus ce coup-ci? Mais frérot, le mec a trop de luck. C'est abusé la luck qu'il a par contre. Ah, je veux trop un pompe. J'ai pas eu l'occasion encore de m'amuser avec le pompe, c'est pour ça. C'est pour ça les gars. J'ai envie de pisser les gars. Tu peux m'amener un bidet pour les enfants, ma chérie, juste en dessous de ma chaise. C'est la flemme de bouger. C'est une blague au cas où, hein, chat. T'imagines le mec, sans presse. Là les gars, je vous parle, je suis en train de faire pipi. Demi-molle pour Skida, exactement mon gâté. Je suis le seul à pas aimer ce jeu. Bah honnêtement, Super Tetra, c'est vrai que pour toi qui joue à ta façon, je vois pas comment tu peux jouer à ce jeu, moi, de toute façon. Comment tu veux poser des murs, comment tu veux build en même temps que tirer, en même temps que faire un jeu. C'est impossible. Là, pour le coup, c'est impossible. Taper une triple edit. Enfin, tu peux jouer au jeu, mais avoir un bon niveau avec build dessus, pour moi, c'est complètement. Je pense que ça doit être impossible. Attends, le jeu est très dur, il faut faire des triple edit et tout. Donc, c'est vrai que c'est ce que je te comprends, hein, mon frère. Je te comprends tout à fait. Putain, comment je l'entends? Waouh! Vous entendez les bruits de pas? Regardez là, je ferme les yeux, je vous dis où c'est. Bah là c'est collé à moi. Ah mais non, là c'est... Allez vas-y. On va où? Arrêtez le rond. Putain là, d'en haut il faut que tout charge en fait. C'est pas chargé d'en haut. Et ça c'est... Dites-vous que ce que vous voyez là, ça va être amélioré, hein. Tout va être amélioré. Mais une fois, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'une fois qu'on a atterri, y'a plus de problème. Vas-y, je vais faire comme avant, je vais faire ma strat de pute. Je vais aller à la petite maison là-bas, je vais me stuffer, je vais aller attaquer Ritalro après. Je faisais ça à l'époque, quand je perdais trop. Je faisais ça. Là j'ai perdu une game, mais j'ai envie de jouer. Ah, par contre, quand tu spawns au début, il y a des petits lags qu'il y avait pas avant. Ah merde, j'ai niqué le coffre. Ah bah oui, mais c'est des habitudes. Ouais, y'a des bons lags là, tout à l'heure ça laguait pas comme ça. Mais l'activité est... Putain, mais mec, il faut vraiment que dans le long terme ça s'améliore. Ils savent pas ce qui va se passer, hein. Moi je vous fais un stream. Wow! Attends, mais les portes ne s'ouvrent pas à l'inverse normalement. Moi j'ai cru qu'il y avait un ennemi là. Bah oui, forcément, si quand j'arrive la porte s'ouvre, même si j'ai pas de son, même si c'est impossible qu'il y ait un ennemi, pour moi y'a quand même l'ennemi. Je suis obligé d'y croire. Oh oui, un snipe les gars. Attends, faut aller sur le toit, c'est vrai. Attends, je vais prendre les balles. Oh, ça lag un peu. Plus les gens se tuent, moins ça va laguer. Oh, le temps de l'ancien temps. Ah ouais, mais je m'en bats les couilles. Je le prends pas parce que c'est moi je préfère le l'ancien snipe. C'est ça le problème, c'est que ouais, il est mieux, mais frérot. On est sur la saison 1 là. Sniper violet. Ça existait mais il avait ce skin d'arme là. Moi je garde les armes du même skin. Pistolet comme ça il existait. Bon, on n'est pas saison 1, on est saison 3 là exactement. Parce qu'il y a Lucky Landing et tout. C'est mieux ça. Moi je préfère saison 3 que saison 1 de toute façon. Il y a plus de maps. Plus de choses je veux dire. Oh oui. Rappelez-vous de la force du semi-auto comme ça, bleu. J'aurais dû mettre un mur derrière moi.
y'en a trop là, limite. Ah, je peux plus. Hein ? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Désolé, mais là faut que je lâche le snipe. Rappelez-vous comment il était le jeu avant. Le RPG, tu te rappelles la méta ou pas ? Là, je suis trop. Là, je suis trop bien. Non, non, je suis pas bien, j'ai pas pris sa PM. Sa petite PM, et là, mon pote, là. Je suis comme à l'époque, Gotchig. Des petits C4. Il manque du build les gars. Le jump comme ça là il marche pas très bien. Ouais la barrière se casse pas. Allez on va en zone hein. La zone elle est là-bas. Il y a des tirs devant moi, on va aller fighter. Mais non, juste Warzone, Fortnite 1 là. Je suis comme un gamin frérot. Il y a des petits bugs, tu vois, on peut pas tout casser, bon. Me demandez pas de sprinter les gars, je peux pas. Je peux pas faire les moves d'avant. Et ça c'est une très très bonne chose, hein, croyez-moi. Ça... Juste il y a le double jump, mais ça c'est parce qu'ils ont pas pu l'enlever. Parce que c'est imprimé dans le jeu, tu vois. C'est... Faut dire que c'est... les gens qui ont créé cette map sont pas les développeurs. C'est ça qui est le plus fou, je crois, dans l'histoire. Donc là, là depuis tout à l'heure j'entends des tirs. Là-bas ça tire. Oh ça me voit, oh, il vient me jouer le frérot. Est-ce que vous sentez un peu le retour des games d'avant, un peu là c'est les fights d'avant frérot, j'ai l'impression de vivre avec un peu plus de niveau. Je vous dis la vérité, avant les gens buildaient moins bien, même moi je buildais moins bien, largement moins bien, mais putain que ça y ressemble, c'est bon, c'est... De quoi ? Non, j'ai toujours joué 3 armes dans Fortnite, je suis manette.
Enfin, il y a des manettes qui jouent 4A, mais c'est vraiment bourbier. Yes, 8 manettes. Faire super attention au one shot, hein, les gars. Chapeau là dans son build, c'était bien joué de ma part. Allez, c'est le moment de jouer sniper, on a plus de roquettes. Merde, j'ai pris 4 armes, mais là pour le coup. Oh, ça l'a rasé, frérot. On s'est entretouchés tous les deux. Hop là. Tire d'où le mec du bac là? Mon merde à me tirer dessus lui. En fait, il y a la zone qui va pusher et si je reste là, je vais me faire push de la zone. C'est peut-être pas la meilleure solution de se faire push de la zone. Oh, ça l'a rasé. Je peux pas rester sans bouger, il y a les mecs derrière.
fait c'était mes murs dans quoi il s'est mis, il a pas eu de chance. Sinon il avait bien joué. C'est là que tu vois que le chasseur quand même, une bonne balle de chasseur bien mise, c'est meilleur tu vois. C'est pour ça que je jouais chasseur avant. Mais vu que j'ai moins de niveau, aujourd'hui je préfère jouer le semi-auto. Parce que le semi-auto égale, égale fight plus sûr. Dans le coin ce bâtard. En plus c'était vraiment au pire moment où je m'y attendais le moins. J'ai trop le mort. Il y a trop le mort. Ouais, c'était bien sinon on a bien rigolé n'empêche. Il y avait du bon jeu. On prend plus de plaisir dans cette map que dans l'autre. Hein. Pour un ancien joueur, c'est incroyable. Putain, tu t'es... Wesh! Enfin, de temps en temps, je vais pouvoir me faire une petite game de Fortnite pour le kiff. Hop. J'ai Scuda. J'aime vraiment pas ce jeu. Bisous, mon super tétra, mon ref. Et à bientôt. Moi, de toute façon, je coupe le live. Là, c'était juste en fin de live. Je voulais vous en faire une ou deux pour kiffer. Pour kiffer, changer un peu le de plays. On a fait 3 petites heures de Warzone ce matin dans la bonne ambiance. C'était bien cool. Vraiment, merci beaucoup les gars pour la joie de vivre partagé. Pour ce petit live, c'était vraiment sympathique. Hein, on se dit à demain matin pour du bon vieux Warzone, les frérots. Casser des culs ensemble. Hein. Et puis merci aussi pour la force envoyée. Merci pour tout, de toute façon. Vous savez très bien. Bientôt des nouvelles choses. Bientôt... Les lives, comme je vous dis, vont s'ouvrir aussi sur Twitch en plus de Facebook. Donc voilà, pour nous sur Facebook, ça va pas nous changer grand chose. Ça va nous changer peut-être les horaires à des moments. Mais je vous explique, en gros, il y a peut-être moyen que je reprenne mes anciens horaires Facebook. C'est-à-dire que les matins, il y aura le jeudi et le vendredi, ça sera 9h-14h. Ça changera pas. Mais les autres matins, donc du lundi au mercredi, ça serait 7h midi. Donc de 7h du matin jusqu'à midi. On verra si ça se fera. On verra aussi si vous, par exemple, si vous me votez tous que vous n'avez pas envie, que vous pensez que ça va pas vous arranger, je vais être sympa, tu vois, je vais trouver un compromis, je vais pas le faire. Ou je le ferai peut-être que partiellement. Peut-être, tu vois, au lieu de faire 7h midi, si ça vous va pas, je peux faire 8h-13h. Mais pour Twitch, il va falloir que j'attaque tôt. C'est clair et net, pour Twitch, je vais attaquer plus tôt. Faut savoir qu'avant, j'attaquais à 7h tous les matins. Et je terminais à midi. Moi, pour Twitch, pour essayer de me tirer un petit peu du lot. Oh yeah! J'ai des streamers qui sont connus qui attaquent à 9h. Donc je peux pas attaquer à 9h, c'est pas possible. Faut que j'ai de l'avance sur eux dans le live. De toute façon, je ferai les tests aussi sur une semaine, voir comment ça fonctionne. Si je vois que ça marche bien, parce que moi c'est comme ça hein, que j'en suis arrivé là, hein, c'est en faisant des horaires un peu étonnantes comme ça, et bien un jour j'ai eu 300 viewers et ça c'est pas parti. Jusqu'à Warzone 2, mais bon, et la fin de Warzone 1. Mais tout pour dire que change rien, oui, mais je vais être obligé, Franck, ça c'est certain. Les horaires vont changer, je vous le dis, ça sera plus 9h-14h, c'est sûr. Ça sera 9h-14h le jeudi et le vendredi. Mais les 3 premiers jours de la semaine, ça sera soit 8h-13h, soit 7h midi. Ça ne change pas grand chose. Tout, 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 tout. Bon, la mif. Tu vois, ce matin, j'ai commencé à 11h, mais là, j'ai terminé à 15h.
Mais même pour moi, en vrai, je préférerais dormir. Hein. Voilà. Il faut savoir que t'as des mecs le midi. Non, mais bien sûr, mais c'est mon boulot depuis 3 ans, Franck, t'inquiète pas. Je sais analyser un marché, je sais, t'inquiète. Mais ça n'a rien à voir. On fait un live pour la rétention d'audience aussi. Moi, le midi, peu importe l'heure que j'attaque, c'est relativement soit la moitié, soit la fin de mon live. En grosso merdo, c'est à chaque fois à peu près la fin. Vers midi, on commence à approcher de la partie fin. Et c'est pas à ce moment-là que j'espère avoir de la rétention d'audience. C'est quand je lance mon live, si je veux que ça dure. Donc quand je lance, il faut pas qu'il y ait ESK ou je ne sais qui lance son live pile en même temps que moi. Donc je lance un petit peu avant, je teste sur une semaine. Si ça répond pas parce que c'est trop tôt et que ça a marché il y a 3 ans mais qu'aujourd'hui il n'y a plus personne, eh bien on changera l'horaire, on réessayera plus tard ou plus tôt et ainsi de suite jusqu'au moment où on trouve un horaire convenable. Mais moi je pense que 8h-13h ou 7h midi ça sera bien. Il faut bien aussi se dire une chose, les amis, c'est que les trois quarts des gens qui font qu'aujourd'hui j'en suis là, c'est des gens qui travaillent tôt le matin et qui le matin passaient sur mes lives et vu qu'ils travaillent et tout et qu'ils étaient bien lancés dans leur vie, à ce moment-là, moi, on me faisait des dons de bâtard. Ma page, elle a évolué et c'est ces gens-là qui m'ont vraiment permis d'être streamer il y a de ça quelques années. Mes lives du matin. Les mecs, ils étaient là avant le boulot, un peu sur la route du boulot, des fois ils venaient à la pause et tout, Oh et j'avais une super communauté. Remets ta montre en l'heure, on est heure de printemps. Ah, je sais pas, moi je lis l'heure de mon téléphone, de mon ordinateur, je veux dire. Mais il est bien à l'heure, 14h51. Mon ref, c'est toi qui es pas à l'heure? Moi, c'est l'heure avec Internet. Il est 14h51, mon ref. Bon, allez, je vous souhaite à toutes et à tous un gros bisou. C'est une blague. Ah, putain, j'avais pas capté. J'ai 10 ans de retraite dans un mois. Et ouais, l'époque du matin, c'est quand même une belle époque. Donc je pense que si je fais ne serait-ce qu'un live par semaine qui attaque à cette heure-là, il y a moyen qu'il y ait des revenants. Mais il faut tester. Il faut tester pour savoir les choses. Moi, j'ai pas très envie de faire 7 heures tous les jours, dans tous les cas. Parce que ça me fait me lever trop tôt. Je t'attendrai à 10h. Yep. Ah oui, hein. C'est pas parce que je lance le live à 7h que de toute façon vous êtes obligé d'être à 7h, hein. C'est comme dans les disponibilités de chacun. Moi je pense que Twitch peut relancer un peu la dynamique. Mais moi je pense que Twitch va me sauver en fait. Et les gars, concrètement. Je vous dis sur. Regarde, je vais vous faire un exemple, mais vraiment, mais des plus mais maternelles possibles. Parce que vous allez voir les gars, c'est une évidence en fait. Mais sans. J'ai la flemme de parler là. Du coup, hop. Alors, ça, c'est Warzone 1. Juste le jeu Warzone 1. À sa sortie, il a buzzé. Après, ça, on va dire que ça, il y a plein de gens qui désinstallent le jeu, mais ça, c'est pas grave. Hein. Tant qu'il reste ici, c'est qu'il y a des millions de personnes qui jouent. Après, il a rebuzzé. Et puis, petit à petit, il a stagné. Hein. On n'est pas au millimètre près, on s'en fout, mais je pense que vous avez bien compris. Ça, c'est Warzone 2. Ah, plus épais, mon frérot. Ah ouais, non, moi, je veux un feutre. Feutre de compétition. Comment j'ai fait pour avoir le feutre? Ah ouais. Oh, franchement, il a été plus vendu. Donc, plus vendu. Hop. Hop. Ok. Ça, c'est Warzone 2. Il a été plus vendu que Warzone 1, les gars. Donc, c'est réel ce que je mets. Et même, c'est faux. Il a commencé à perdre son audience avant Warzone 1. Il a perdu son audience là, lui. Voilà, les gars. Ça, c'est Warzone 2.
Je jure, c'est pas du vent que je fais, ça va être utile. Déjà, quand tu vois ça, bon, ça fait un peu stressé. En réalité, la courbe, elle continue, tu vois, elle continue là maintenant. Elle est descendante, mais elle continue. Elle n'est pas aussi abrupte vers la fin, mais on s'en fout. Ok. Donc ça, là, vous avez la courbe de nos deux jeux vidéo, Warzone 1 en rouge, Warzone 2 en bleu. Ok, les gars? Donc moi, il faut que, quand je vois ça déjà, en tant que streamer et que je vide ce jeu, il faut que je commence à réfléchir à des choses. Il faut que je commence à me dire, dis donc, si la courbe elle continue comme ça, Scud, toi tu dépends du jeu, donc ça se fait attention quand même. Ok. Maintenant, sur Facebook, donc Facebook, on va le faire en noir. Et en bleu, bah non, Facebook, on va le faire en bleu. Hop, il est là, Facebook. Le jeu, et je dis bien le jeu qui marche le mieux à l'heure actuelle, hein, c'est Warzone. Ok? D'un autre côté, on a Twitch, qui est beaucoup plus gros. Et lui, de son côté, c'est pas Warzone. Warzone, lui, il buzz de ouf sur Twitch, mais plus que beaucoup plus que sur Facebook, ça c'est sûr. Mais Warzone, je crois qu'il est 6e ou 7e, hein. Il y a vraiment beaucoup plus de vues. Donc on va marquer All. Ce qui marche le plus en plus, c'est la discute, parce que les gens sont. Il y a des gens très connus. Donc voilà. Et là, vous dites ok. Très bien, bon ça, on commence à te comprendre, Scuda. Le problème, c'est que si Warzone, c'est le seul jeu qui marche sur Facebook. Et qu'actuellement il est en train de faire ça, les gars. Qu'est-ce qui va se passer, les gars, quand Warzone il aura fini de faire ça? C'est qui? Et qui aussi, parce que les lives Facebook, si on remonte un an en arrière, des streamers qui avaient plus de 100 viewers sur Warzone, il y en avait une vingtaine. Hein. Proto, hein, j'ai dit un an, on va peut-être dire 2 ans. Proto, tout ça, les gars. D'accord? Ben Boy, Cyrix, il y avait plein de loupios. Et donc, bah, le problème. C'est que ça m'attriste énormément, mais en même temps que Warzone y fait ça, bah Facebook ils font ça. Parce que sur Facebook, en stream, c'est quoi qui marche le plus? C'est Warzone. Donc si moi j'ai des billes un peu ici, mais j'ai des billes un peu ici, et bien si ici ça capote, et bien si ici ça capote, et bien j'aurai encore des billes ici, tu vois. Et du coup, ben la vie continuera. Donc je pense qu'honnêtement, c'est schématisé, j'ai pas tout dit, il y a plein d'éléments, il y a des chiffres aussi quand même à prendre en compte, là je grossis tout. Mais l'avis de ma mère, que les gars, pour moi, c'est ce qui va me sauver la vie, je vous dis. Si Warzone, ils remontent pas la barre vite, et pour moi, Facebook, vu ce qu'ils font là actuellement, ils ont pas l'intention de relever la barre non plus côté Facebook, parce que Facebook, ils délaissent complètement du coup la partie gaming hein, actuellement, vu qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a des streamers qui ont plus. Je vais dire des noms, moi ça m'attriste, mais les Poséidons. Poséidon grec, vous avez vu les viewers qui se tapent ou quoi? Là, regarde, j'ai 9 viewers tout de suite, j'ai plus de viewers que lui en plein live, frérot. C'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça me dégoûte. Moi, Poséidon grec, pour moi, c'est un frérot, il mériterait plus et il devrait être plus loin. Et il allait aller plus loin. Mais Facebook lui a dit non. Facebook, ils ont abandonné leur projet. Et du coup, les petits streamers, bah, ils ont déjà coulé, tu vois. Moi, je suis un petit streamer, mais j'ai quand même 3 ans d'ancienneté. J'ai une communauté derrière moi, tu vois. Je peux pas couler du jour au lendemain. C'est pour ça que mes billes, je vais les mettre ici, tu vois. Voilà, j'essaie de vous expliquer, mais c'est des vrais. Tu vois, là, c'est en grossissant, tu vois, les choses. Mais vraiment, c'est sur le coup, tu vois. Là, j'ai les réponses, donc je stresse plus du tout. Je suis bien dans ma tête. Je suis là en mode au calme, tu vois, frérot. C'est tracé, tu vois, ce que je dois faire. Mais il y a quelques jours, c'était pas ça. Il y a quelques jours, c'était pas ça. En voyant que il a fait un cœur vert, j'ai même pas fait exprès, mon Franck. En voyant que Warzone faisait ça et que Facebook faisait ça avec, j'étais obligé de prendre une initiative. Mais ça m'a fait flipper, les gars. Mais bon, Facebook fait ça. Mais bon, nous, on a quand même une communauté qui fait qu'on a quand même des nouveaux sur la page et tout. Donc c'est pas demain que c'est fini Facebook. Et c'est pas parce que je crée un Twitch qu'il faut que vous allez tous sur Twitch. Restez sur Facebook, sinon vous allez tuer le peu qui reste sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Le Twitch sert à créer une nouvelle Pour les top communauté. 1, pouce levé, pouce levé. Moi j'ai monté à fond. Merci Mojo. Ah, tu régales. Le Twitch servira à créer une nouvelle communauté. Vous resterez ici si vous le souhaitez. Je peux pas vous forcer à rester ici, mais bon, ça m'arrangerait que vous restiez sur Facebook pour le moment. Sachant que financièrement, on peut dire les termes, hein, je ramasse 1000 fois plus de thunes sur Facebook que sur Twitch quand j'y serai. Hein. Parce que Twitch, quand j'y serai, le sub, il coûtera certes moins cher. Genre, je crois que c'est 3 balles le sub ou un truc comme ça. Mais moi, je touche 1,50 € du sub. Du coup, c'est triste. Les bits, je crois par contre que ça me ramène pareil que les étoiles.
financièrement parlant. Mais bon, tout ça pour dire que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur Twitch, financièrement, moi, ça me change rien autant que vous restez sur Facebook. La seule raison qui pourrait faire que je vous dise bougez, bougez, allez tout de suite, c'est quand Facebook va mourir, quoi. Dans quelques mois, hélas. Vous verrez, j'espère que j'ai tort. Hein. Mais vraiment, hein, j'espère que j'ai super tort. Hein. Mais les gars, quand tu vois ce que fait Warzone et tu vois ce que fait Facebook, j'ai peur que dans quelques mois, tu vois, ce soit compliqué, tu vois. Le seul qui arrive à avoir les vues, des bonnes vues sur Facebook, c'est chez Kouz, quoi. Et même lui, tu vois, même lui, ses vues, enfin, c'est incroyable comment il a pris une cartouche chez Kouz. Il faisait 60, il avait des lives à 60 000 vues, des lives à 40 000 vues. Moi, j'avais ça avant hein, aussi, hein, d'ailleurs, sachez-le. Bah oui, moi, j'avais tout ça avant. Et aujourd'hui, je vois ses lives à 6 000, 9 000 vues, tu fais putain. Ah ouais. Même lui, tu vois. Donc pourquoi lui, il y échapperait? C'est juste qu'il est plus gros, donc ça met plus de temps. Mais je pense que Facebook, la vie de ma mère, à l'heure d'aujourd'hui, je pense pas qu'il faut mettre tous ses paniers dans le même nid, tu vois. Et c'est pas que moi, ça vient pas que de moi, tu vois. Je le citerai pas parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas dit qu'on allait se citer. Mais moi, j'ai parlé avec une personne qui m'a beaucoup aidé il n'y a pas longtemps. Donc, croyez pas qu'on se fait la guerre entre streamers, forcément. Il y a une belle entraide entre streamers. On discute, on trouve des solutions ensemble. Et on essaye de s'en sortir ensemble avec certains streamers. Voilà. J'ai pas dit non parce que je lui demanderai l'autorisation avant. Mais vous le connaissez tous. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a de l'entraide sur Facebook. Bref, je parle un peu pour rien dire là. Hein. Le moulin, il tourne, il tourne, il tourne. Je vous fais de gros bisous, les gars. Et je vous dis à demain. Merci pour tout. Vous êtes les meilleurs. Gros bisous. Ciao, ciao. Merci pour tout. J'ai pas envie de raccrocher aujourd'hui. J'ai pas envie de couper le live, frérot. Je reste avec vous toute la journée. Il a un gros problème de vue. On en a parlé. C'est trop pour tout le monde. Bah oui. En bonne entente. Et Mesquida, 4 mois non-stop. Pour ma part, normal. Je suis athée. Je viens de découvrir un putain de mec intelligent. Ben merci Franck. Merci beaucoup mon ref. Un mec qui sait pas lire, mais bon, s'il est déjà intelligent, c'est déjà pas mal mon ref. Merci Franck. Bon après-midi, gros bisous mon Danmos. Merci le sang. Bisous tout le monde, à demain la Fafa, gros bisous Dim. Je vous aime la famille, vous êtes les meilleurs. À demain. Je sors le concombre dans 3! Gratuit? Pourquoi t'as marqué gratuit le sang? Accès. Le compliment était gratuit. Je vous aime, les gars. 1, 2, 3. Je sors la bête, la véritable lance de Chastifol version 4. Tournesol, come on, baby. On l'intitule le grand concombrito, l'Olympique, zizi. Oui, c'était étonnant. À demain, je vous aime, I love you, baby. Charal, bébé. Bien sûr qu'on termine là-dessus. C'est sexy.